mal partout. J'préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatou. Centré, esprit de service, bonsoir à tous les collègues. Bonsoir Centré. Bonjour, bonjour, bien. Qu'est-ce qui se passe les collègues, vous allez où? Perquisition de personnes décédées. Vous avez perquisitionné qui? Des personnes décédées, on a deux Wolf et le reste, je crois il y a perquisition chez les ABZ et chez les Mara. Et après, super, je sais pas. Allez, allez, c'est parti là. Oui, c'est qui me parle là? C'est moi 44. Oui, 44. C'est une musique. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite puce? Je suis tombé sur une musique, faut que je vous la fasse écouter, je pense. D'accord, ben tu me feras écouter ça après la perquisition. Exactement. Allez, salut. Salut, ciao, ciao. 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 Bisous. Allez, c'est parti, on peut y aller. Bisous, hein. Bisous. Oui, c'est bon. Bisous, sergent. Oui, elle veut. Hein. Elle veut. Elle est amoureuse de moi, les mecs. Elle est amoureuse de moi, c'est sûr. Je les connais par cœur, les femmes. Salut, salut, cette tête. Ça va? Bonsoir. Mais respirez. Super, et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Bah écoute. Ça va plus choqué. Les phares sont en prison, d'ailleurs. Ben ouais, en doute. Allo? Oui, oui, 07, ça va? Oui, vous? Ah, ça va, comment il va celui-là? Bah il va bien celui-ci, comment il va? Il est où? Je suis dans le nord. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le nord celui-là? Bah je suis en poursuite là depuis un mariage, tout. Non? Énormément de véhicules. Bah, il va bien dans le sud ou merde là? Oh! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur, ok. L'unité peut venir avec nous, je suis même pas l'heure, monsieur, ok. Oulala, attendez, vous êtes où? Vous êtes où? Ok, je raccroche. Vous êtes où? Ok, je raccroche. Je fais un call radio, hein, je fais un call radio, je rigole pas, je fais un call radio là, je vous prends sérieux. Hein. Oui, je raccroche, monsieur, oui. La Impaler, elle est où? La Impaler, la Impaler. Pile sur ma backup. Backup en plein. Les 113 au nord là, je crois que le commandant s'est en train de se faire prendre en otage par une Impaler. J'étais au télé. Les lieux proches du mariage, c'est là où j'ai vu le commandant. Oui, pour la dernière fois. Ouais, j'étais au téléphone avec lui, il m'a dit c'est dans le nord. Et apparemment, il doit suivre une Impaler. Donc vérifie si vous voyez le blip de sa voiture dans le nord. Non, non, y'a pas de merci de l'information, je viens pour sauver mon commandant aussi. Hein. Oui, bon, bah tu vas arrêter de faire le grand avec moi ici, t'es chez moi. Oui, ben je t'emmerde. Vos gueules, je vais vous arracher tous les deux. S'il vous plaît, réglez pas vos comptes en radio, c'est inutile. Laisse le terrain au petit, Shaymus, t'as fait ton temps. Clé radio, s'il vous plaît. Riz, je vais t'arracher. Riz, sache que le jeune doutera toujours de la rapacité de l'ancien. Peut-être là? Sur une descente radio-sud, ça va rien comprendre. Allez, s'il vous plaît, stop. C'était drôle un moment, là, stop. Arrête de faire une descente sur ta radio, je vais le rendre fou. S'il te plaît, je vais te demander de te calmer. C'est 7-10-3, on a Diego entré le matricule 11 qui était pris en étage, pas loin du... Allô? Oui, oui, ça va? Ah oui, ils ont pris 11 du coup. Ah ben, ils sont où? Bah ils ont pris route 68 direction sud. Route 68 direction sud. Attends, mais la route 68, comment ça route 68? Tu sais la fourrière pour Iscar là. Ah oui, mais c'est pas direction sud ça, c'est direction ouest du coup, non? Non, non, ils ont pris direction sud depuis la backup où je suis. Ok, là tu viens de la faire la backup? Là je viens de la faire là. Ok. Une Impaler noire? Ouais, ils ont dit au bloc ou 6 blocs, je sais plus. Ils ont dit. Ok, d'accord mon commandant. Mais je viens vous chercher, d'accord? Voilà. Vous serez plus en sécurité avec moi. Vas-y. Vas-y. Venez Radio 7, on fait un raid prout. Non, Si, venez. S'il vous plaît, faites des petits bruits de prout, s'il vous plaît, mon commandant. Ils vont croire c'est moi, je vous assure, ils vont croire c'est moi, faites-le. S'il vous plaît, mon commandant, my commandant. Bon, un seul prout. Ok, alors. Je suis Radio 7 là, je vous entends. Mais faites-moi un beau, hein, un beau prout. Je l'aime trop, mon petit commandant d'amour. Waouh! Je vais bien. Bon, alors, il est fréquent. Ah bah c'est bon, si... commandant, vous êtes là? Allô? Oui, je suis là. Oui, commandant, trop... si vous êtes safe, toussez. Oui, je sais qu'ils ont juste pris 11. Ils ont pris 11 et ils sont partis direction sud, j'ai une couleur noire. Mais là, je suis sur votre backup, vous êtes pas là, vous êtes où? Tiens. S'il te plaît, arrête de faire des colis inutiles.
Attends. Arrête. Ça me fait rire, ce genre de truc. Arrête tes conneries, Riz. D'accord, Clem, j'arrive dessus. Dans mon bureau également. Riz, on va t'attraper, Riz. On va t'attraper. Oui, allô. Oui. Dans mon bureau. Dans mais pourquoi dans mon bureau. Dans mon bureau, toi et Sheamus là. Moi et Sheamus. Oui, toi et mais Sheamus. Mais il y a 11 qui viennent se faire PO, il faut qu'on le cherche. Dépêche-toi dans mon bureau. T'as entendu, il y a eu un brout-brout et je suis au téléphone avec toi, c'est pas moi hein. Oui, je sais que c'est pas toi, mais toi et Sheamus dans mon bureau, dépêche-toi. D'accord, on arrive. 7-7 pour Glenn, tu peux vous joindre en urgence? Oui. Bon, les collègues, moi je repars à Joël, moi à tout hein. T'as passé une bonne journée? Ouais, et toi? Bah oui, ça va. Arrêtez, c'est vraiment un beau frigolasse. Ça peut pas être Riz, hein, Et vous, mon commandant, ça va? Bah oui, ça va. Vous avez besoin d'aide sur la poursuite? À Freeway ou pas? Le mec, il était monté dans un bagnole, quoi. Il a raccroché, fils de pute. Il a décroché, je l'ai fait, il a raccroché. Mais je t'entends encore, trou de balle. Mais je t'emmerde. Mais je t'emmerde. J'ai pas raccroché. Mais tu casses les couilles, écoute-moi bien. Aïe. Continue, je te jure, je la rends folle ta radio. Qui? Je sais pas. Non mais tu sais que là t'as lancé un truc mauvais. Mais le prochain on va faire des bruits d'animaux. Non. Tu veux faire quoi? Oui, allo, des bruits d'animaux dans un zoo. Oui, allo. Oui, Riz, tu sais ce que je vais faire sur ta radio? Tu vas sur ta radio? C'est qui au téléphone? C'est John. Ah bah, John, il a de la voix, John. Dans mon bureau, John, immédiatement, John, dans mon bureau. Qu'est-ce qu'il m'appelle encore? Revendiquer 6 blocs ou haut bloc, j'ai plus le nom, mais c'est un bloc. Pour 11. Non mais Glenn, là c'est pas moi par contre, hein, j'ai rien fait. Si, hein. C'est toi. Non, j'ai rien fait, j'étais pas radio, j'ai dit je repars radio 1. Oui, mais t'es relié à tout ça, toi. Non, j'ai rien à voir, regarde, je suis radio 1, regarde ma radio. Mon bureau. Regarde ma radio, je suis dans la radio 1. Oui, bah oui, c'est facile maintenant que t'as dit que t'allais passer radio 1. Toi, tu fermes ta gueule aussi. Attends, vous parlez au commandant? Tu dis ça? Non, je parle en radio là. Ah, Donald, de ce con. Fais attention, je t'aurais niqué ta mère, je te dis, Glenn. Attention, comment tu parles au commandant, toi? Mais tu parles à qui, toi? Je parle à toi si tu parles au commandant. Si t'avais parlé au commandant. Mais je vais t'arracher la tête. Oui, mais si, vu que t'as pas parlé au commandant, c'est bon. D'accord, ok. Mais non, mais je me serais jamais permis de faire ça. Pour 30, l'unité que vous suivez. Bon, c'est quoi ton concours d'ego avec Sheamus là? Quel concours d'ego? Mais y'a pas de concours d'ego, hein? Si. Alors? Non, je t'assure! Là, si, depuis tout à l'heure, vous êtes en radio, vous faites n'importe quoi, vous faites votre concours d'ego comme toi t'es le nouveau sergent-chef et lui c'est l'ancien là, c'est quoi le problème là? Attends, y'a ma fille qui est à l'aéroport. Oui, bah super, ta fille, je vais pas me laisser partir parce que je suis mineur, je t'attends. Oh putain, ta fille? Oui, ma fille. Bonsoir. Rentre, John. Bonsoir, mon capitaine. C'est quoi ce cri que tu viens de faire là dans le téléphone de Riz là? Parce qu'il rend fou sur la radio, il rend fou. Allô? Capitaine, je suis prêt à taper du poing sur la table, j'en ai marre. Vas-y, tape du poing sur la table, vas-y. Regarde, Riz, regarde ce qui t'attend. Riz, oui, bon, allô, pas. Oui, Sheamus. Ouais, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-lui, Daniel, clairement, c'est quoi ton problème avec moi? Y'a même pas faire le puceau, sinon je vais en face de toi. Y'a Glenn, il veut te parler là, Glenn, il veut te parler, ton commandant. Ouais, et alors, t'es où? Comment ça, et alors? Et alors, mais. Riz. Bah, Glenn il veut te parler, ton commandant, il veut te parler là. Ok, Riz. Mais juste, je tiens à te préciser quelque chose. Quoi? T'es peut-être sergent-chef, mais moi aussi. Attends, j'en ai pas l'anonyme. Mon côté sergent-chef est beaucoup mieux que le tien. Viens dans le bureau, viens dans le bureau et nique ta mère. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui, c'est qui? Oui. C'est les farfadets des malicieux. Mais bordel, mais quoi ce soir là? Vous voulez quoi, le farfadets des malicieux? C'est juste pour vous prévenir que je revendique carrément farfadets malicieux. Et vous revendiquez quoi, monsieur? Qui vous appelle maintenant? Et vous revendiquez pourquoi? Vous avez fait quoi? Je sais pas. On a attrapé 11. Quoi? Et il est où? Qu'est-ce qu'il y a? Il est dans l'eau, il nage avec les requins là. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il est en train de nager. Je suis en train de préparer les bulldozers pour chez vous. Y'a quoi? Ah merde. Tu deviens taureau, je suis calme. Y'a quoi? Mais non, on
Hey, vas-y maintenant, assume. Hey, assume ce que t'as dit, Riz. Hey, assume ce que tu dis. Comment on assume? Ça va pas, hein. Assume. Bien envoyé, ça. Je me chauffe pas avec la radio, je me chauffe pas. Bon, écoute, c'est quoi votre concours d'ego tous les deux là? Mais y'a pas de concours d'ego, c'est juste lui. Si. Non, c'est lui. Écoute-moi, mais il fait sa crise d'adolescence, c'est tout. Ferme-la, chez moi, si tu fermes ta grande gueule. À vos ordres, capitaine. Depuis tout à l'heure, en radio, vous faites n'importe quoi. En plus de ça, il y a des animaux qui s'invitent dans ma radio. C'est quoi ce problème là ce soir là? Ah, mais j'ai été chez eux aussi. C'est lui hein. Et ses gamineries, tout simplement. C'est lui et ses gamineries, tout simplement. Donald, tu rentres immédiatement toi aussi. Riz, tes conneries de sudiste, tu les gardes pour toi. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien. Je crois qu'il y avait un rendez-vous. Ta mère, ta mère dehors toi. Eh, hey, ça a rien à voir, ça a rien à voir. T'es juste si immature, Riz, c'est tout. Tu mériterais d'être rétrogradé. Mais non, mais c'est. Moi, je lui ai rien dit à Seamus, moi. Moi, je lui ai rien dit à Seamus. Je lui ai rien dit. Si tu es arrogant avec moi. J'ai fait quoi? Arrogant avec moi. C'est lui, il est jaloux. Meilleur que moi, mais non, c'est moi non, qui suis moi je vais dire, moi je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité. Tu veux que je dise la vérité? Tu veux que je dise la vérité? Vas-y, dis la vérité. Hein? Il est jaloux parce qu'il m'a formé, il sait que je suis devenu plus fort que lui. Voilà, c'est ça la vérité. Négatif, t'es pas plus fort que moi. Si, absolument pas. C'est ça la vérité. Ah ouais, tu veux voir ça? Ouais. Regardez vraiment qui est le meilleur. Ouais. Ok, je vais être simple, il y a le commandant, puis si ça tombe bien. Ouais, il y a le vrai commandant, le vrai commandant. Et mon capitaine, je vous propose quelque chose. Pour prouver qui est le meilleur, sergent-chef. Mm-hmm. On inverse nos rôles. Je vais dans le sud une soirée, il va dans non, le non, 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 et bien sûr que non. Et bien sûr que non, mais bien sûr que non. Là, tu te pisses dessus. Mais non, mais là, ça n'a rien à voir. Mais attends, mais si, pas le nord. Mais si je vais sergent-chef dans le nord, je vais finir par être commandant suprême dans le nord. J'ai pas envie. Mais surtout, tu vas pas faire la soirée dans le nord, surtout. Non, mais commandant, dites quelque chose, s'il vous plaît. Commandant, dites quelque chose, s'il vous plaît. Négatif. Petit, c'est quoi ton problème avec le nord? Plus. Non, mais j'ai pas de problème avec le nord, c'est Seamus. Moi, j'ai le nord, il pense qu'on est des merdes. Mais moi, tu es narcissiste, assume. Moi, alors, je suis pas narcissiste. Moi je lui ai rien dit à Seamus, c'est lui, il est dégoûté. Hier quand je devais gérer l'opération, il commence à trembler de la tête, il faisait n'importe quoi et tout parce qu'il avait la haine. Si, si, pas. T'avais la haine absolument que ce soit mon lead d'opération, t'aurais aimé que ce soit toi. Non, eh ben non, c'était non. Mon opération, c'est moi, j'ai arrêté mais les FARC, c'est moi. C'est moi, j'ai tué les deux FARC, mon commandant, j'ai tué deux FARC hier. Eh, fermez-la tous les deux. Vous allez faire un truc, d'accord? Vu que vous avez un concours d'ego de con, vous allez tous les deux vous battre, d'accord? En 1v1. Non. Tous les agents. Non, je peux pas. Non, je pense pas. Je peux pas frapper mon fils. Je peux pas frapper mon père. Mon capitaine, moi j'ai une deuxième proposition. S'il le souhaite, il prend 5 de ses agents qu'il a formés. Je prends 5 ouais. De mes agents. Ok, ok. Ouais, c'est bon. Ça me va. Ça me va. Vas-y, et on leur fait quoi? Et on leur fait. Alors, toi, vas-y, on y réfléchit. Mmh. On y réfléchit, mais jure-le que tu ramènes vraiment 5 agents de ta formation. Je te jure, je ramène 5 agents que j'ai formés. Attends, jure-le. Ok, et attention, on va mettre quelque chose en jeu. Ouais. Le perdant. Si je perds, je dois raser ma crête. Ok. Si tu perds, ouais. Tu dois te faire la crête. Ok. Ok. Moi je propose, sur 5 épreuves. Attends, mais on va laisser. Non, pour dans un souci de partialité, on laisse le commandant et le capitaine décider des épreuves au pire. Pas okay, très c'est pas obligé de décider maintenant de suite là. Posez-vous, réfléchissez, ouais, vous décidez des épreuves. Très et, on, bien, et on appelle ça. Il y a 5 épreuves, c'est ça? Les jeux de LS. Les jeux. Donc, capitaine d'équipe, c'est ça, c'est vous les deux. Jeux olympiques des rookies de Riz et de Seamus du Nord et du Sud pour savoir c'est qui est le meilleur rookie. Riz, c'est ouais, c'est bon. Les c'est jeux bon. flics olympiques. Ouais, voilà. Ouais les flics olympiques. Les flics olympiques, c'est incroyable. Les flics olympiques. Trop d'inspi. Masterclass, John. Écoute, moi je propose qu'on fasse ça un samedi soir, les soirs où c'est calme. Bonsoir, ça mais on samedi, se tient vraiment. Samedi, pas, samedi soir, non, c'est compliqué. Moi, samedi soir, je suis pas là. Mon gars, chez Imus, tu peux aller te faire enculer, toi et ton samedi, c'est bon. Ah ouais, samedi, il y a l'enterrement d'un agent chez Imus. C'est bon, day off. Ouais, d'accord, ok. C'est mon day off. Ouais, c'est bon jour de repos, ouais. Bizarrement, quand je propose une date, y'a plus personne. Bah, mes supérieurs, s'il vous plaît, je vous demanderai de réaliser ça pour cette semaine. Mes agents sont prêts depuis toujours. On fait ça vendredi? Vendredi soir. Attends, vendredi, on est combien? Vendu. Ah, vendredi, je suis pas là. Ah si, je suis là. Bon. Moi vendredi, je suis là, c'est bon. Vendredi. Allez, ah si, vendredi, je suis là. Et ben vendredi soir, on va vous préparer des jeux. Et vous prenez les 5 meilleurs rookies que vous avez formés, chacun d'entre eux. Triche pas, commence pas à ramener des rookies que du sud. Hein. Et moi, je rajoute une autre condition pour le perdant. Oui, bon commandant. Le perdant sera la salope de l'autre, du gagnant pendant bien une semaine. Bien sûr, bien sûr. Et tu sais quoi, je rajoute même encore plus. Le perdant sera la salope de l'entièreté du SASP du Nord ou du Sud. Mais prépare-toi, tu es une vraie petite pute. C'est bon? Riz, ouais, maintenant tu mets la main sur ta plaque, que t'assumeras. Moi je t'ai dit, tu te fais la crête. Pendant. Regarde, au moins un mois. Seamus, je me ferai la crête pendant au moins 3 jours. Ok, du coup pour le trois pacte, jours. Vous devez vous serrer la main au moins pour finaliser le concours. 3 jours, et y a pas le droit, s'il vous plaît, commandant et Glenn, vous nous dites pas c'est quoi les épreuves, comme ça on a le droit de les entraîner. Bien évidemment. Bien évidemment. Par contre, vous devez vous serrer la main pour pactiser le truc. Ok. Ok. Je m'engage à raser ma crête pour 3 jours. Moi, je m'engage à me faire une crête pour 3 jours. Si je la rase, ça mettra peut-être un peu plus de 3 jours à remonter.
et être la salope de l'autre pendant une semaine et être la salope du poste. La salope du poste concurrent entier. Eris, ouais. Arrête de faire chez Radio, je te jure, je vais vous rendre. Ta gueule, toi, c'est qui celui-là avec ses lunettes vertes que je vais mettre de tarte dans la tête lui. Lui, je fais pas gueuler parce que c'est lui, je fais pas chier parce qu'il peut vraiment, vraiment. Le fais pas gueuler sinon il va t'enculer les oreilles. Vas-y, fais les gueules. C'est quoi ton grain? Vraiment, les yeux, dans les yeux. Crie dans ma radio une fois. Vas-y. Essaye. Vas-y, fais-le. Ah bah, je l'ai fait il y a 10 minutes. Regarde, regarde, John. John. C'est sûr. John, regarde, regarde, regarde ce que tu fais dans ta radio, regarde. Non, mais non, mais, bah non, mais non, mais le fais pas. Tu vois, fils de. La vie de ma mère, hein. Riz, je t'aime bien. Il y va, il y va. C'est bon, stop. Mettez vos radios, hein, mettez vos radios. John, ne fais pas ça, vraiment, un conseil, fais pas ça. Capitaine, fais le arrêter. Fais-le, espèce de petite salope. Allez, on y va. Fais-le, petite salope de John, fais-le. Ça sera réglé vendredi. Non mais il jette les couilles, hein. Il me dit de le faire. T'as un mal de mémoire, c'est ça? Je vais pas le faire parce que le commandant m'a dit de pas le faire. Il est tranquille, je suis tranquille. C'est femelle. Tu oublieras pas quelque chose, hein. Tu oublieras pas quelque chose dans la tombe de ta femme avant de commencer les épreuves, hein. T'as dit quoi là? Non, pas ça. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Tu viens de dire. Tu fermes ta gueule sur ça. Il a dit quoi là? Il a dit quoi? Il a rien dit. Sheamus, dépasse pas les limites, Sheamus, dépasse pas les limites, Sheamus, d'accord? Dépasse pas les limites, Riz. C'est un peu chiant, couille. Dépasse pas les limites, Sheamus. Allez, viens, je te le dis. Mais ça n'arrivera pas de toute façon. Allez, Curtis. C'est faux. C'était une feinte. Scott, moi le mien, il a pris la fuite en deux. Allez, y'a ma fille à l'aéroport. Commandant, je risque quoi si je gueule? Rien, rien, t'inquiète, il parle pour rien, c'est une salope le commandant, vas-y fais-le. Qui allait venir sur le dernier. Je vais vous présenter ma fille, mon commandant. Et vous dites rien, commandant. Allez, vous dites rien. Ta gueule. Vous avez jamais vu ma fille en plus, vous non? Riz, je vais te dire une chose. Oui, okay. Mon commandant suprême. Je vous écoute à vos ordres. Moi, j'ai fait une promesse. Mon roi. Je t'emmènerai un jour en HP. Et si tu veux pas que ça arrive plus vite que prévu, fais attention à tes paroles. Et vous trouvez pas que je me suis calmé depuis? Bah le côté prout Radio 7, non ça j'avais pas vu. Ok, écoutez-moi mon commandant. Moi, Riz Chrono, je vous regarde dans les yeux. Hein. Et vous savez que j'ai jamais menti à mon commandant en vous regardant dans les yeux. Oui, rien dans les yeux. Non, je vous regarde dans les yeux, je ne ferai plus jamais de bruit de prout dans la Radio 7. Bien franc, je vais vous. C'est parfait. Bah, reculez la marquette. Comment s'appelle ta fille? Sur la gauche, vertice. Elle s'appelle Sadi. Quel âge elle a? Elle a 14 ans. 3 pour 19, on a dû recoller sur 10. Ah, ça pousse, hein, et toi, t'as quel âge? Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. J'en ai 34. C'est good pour vous, 30? Pour nous, c'est good, par contre, sur 19, on a okay. Vraiment besoin de soutien si vous pouvez. Ça vous fait quel âge, vous? Ah, 37 ans, moi. Ah, ben, les enfants, ça fait pousser, hein. Ah, vous m'avez dépassé? Bah oui. Merde alors. Vous savez, t'as pas peur que les gens se prennent à ta fille, là? Ben, si, justement, c'est pour ça que je voulais pas qu'elle vienne, mais bon, elle a 14 ans, elle fait sa crise d'adolescence. Ouais. Le farc en question, là, il veut te fumer là. Bah oui, non, mais c'est pour ça là je vais dire à personne on que c'est ma fille. Parking rouge actuellement. Mais je sais pas ce qu'elle va faire parce que je peux pas la garder avec moi. On peut la prendre un petit peu, mais on pourra pas la prendre la soirée s'il y a des intérêts et tout. Dans le parking rouge, RS. On arrive parking rouge là, on va en courant si ralenti ou pas. Vous savez, quand j'ai eu un enfant déjà, à la base moi je voulais un fils. Oui, continue à accélérer. Ouais. Deuxièmement, elle était pas prévue la petite. Et troisièmement. Gouvernement. 300, wesh! Ouais. On va vite cette route! Et troisièmement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Moi, pour moi, elle est restée comme ça. Et dire, oui, papa, elle a mes couteaux au doigt et à l'œil. Oui, mais si elle tient une feuille de son père, hein, du coup, c'est compliqué quoi. Ah, bah oui, malheureusement. Ouais. T'es quand même heureux que ce soit une fille! Ah, oui, bien sûr! Merde à Washington, du coup! Ok! Et les filles, vous avez vos règles à 14 ans? Tu lui as pas donné ton fusil à pompe. Attends, je crois que oui. Hein. Non, mais elle a un petit. Si on leur a un fusil à pompe dans les mains, c'est mort. Elle a un petit canoncier. Mais bon, maintenant, ils ont. Elle a un petit canoncier. Elle a 14 ans, Riz. Ah oui, je lui ai offert ça quand elle était petite. Pour la faction, du coup, on est sur la Olympic Freeway au niveau de parking rouge. Où est-ce qu'elle est? Oh! Du coup, actuellement, on tourne autour de la place des cubes. 50 des individus. Du Coca-Cola? 26, vous pouvez rouler plus en market si vous voulez pouvoir aller chercher les poursuites. Ça, c'est ma fifi! Mais. Voilà! Mais. Comment... Salut papa! Ça va? 75 off radio. Ouais. Ah oui, t'as poussé, bonjour. Hein! Bonjour!
Y'a aucun problème, aucun problème, bien sûr. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, ça va, ma fille? Arrête de me regarder comme ça! Bah non, mais c'est que la dernière fois que je t'ai vu, tu faisais la taille du chien! Bah je t'ai appelé, je t'ai envoyé des. Je t'ai envoyé des photos! HP 107, on dépose le véhicule, on prend une véhicule de patrouille et on y va. Ça vaut. Vous pouvez garder la monnaie, monsieur. Oui, merci, monsieur. Il faut garder la monnaie dans la vie. Oui, garde la monnaie de l'avion. Comment il s'appelle comment déjà le chien? Va, là, toute sa vie. Comment il s'appelle déjà le chien? Pirate. Ah oui, pirate. Tu te rappelles même pas? Si, si, mais je voulais. Peut-être que tu l'as dit à la française, du coup. Ça va, ma fille? Oui. Tu m'as manqué, ça fait plaisir, ça fait plaisir de te voir. Arrête, papa, j'ai plus 4 ans. Ah, 14 ans, c'est ça? C'est gênant, là. Ok, ok, ouais. J'ai. Ok. Bah écoute, je te présente le commandant, 07. Bonjour, Savi, ça va? Sadi. Sadi. Vous allez bien, Sadi? Oui, c'est mes respects. Qu'on non, ouais, passe avec moi. Passe avec moi. Passe avec moi. Ok. Oui, ça va. Votre père fait un travail fabuleux, Sadi. Vous devriez être fier de lui. C'est vrai? Ah oui. Oui. Fais tout pour te rendre heureuse. Est-ce que tu es heureuse, Sadi? On met les bagages? Attends, mais qu'est-ce qu'il y a là? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. T'es pas contente de voir ton père ou merde? Moi je m'occupe des bagages. Allez-y. Si on envoie une backup, c'est ce qu'on fait. On se fait sûrement tirer dessus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pour voir la banque. Non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu voulais pas que je vienne? Ah oui, je voulais pas que tu viennes, mais bon, maintenant que t'es là, j'ai pas de. T'es là ou merde? Oh le clébard dans la voiture là! Pirate! Viens, pirate! Allô, il écoute que moi! Il a quel âge là maintenant, pirate? Là, ça lui fait quel âge du coup? Il a 7 ans. Ah oui, il va bientôt mourir, hein? Ouais. Quoi? Mais ça va pas? Ah oui, bah c'est. Attends, c'est quoi la moyenne d'âge des chiens? Tu remets juste mais tu es fada, papa, il va jamais mourir, pirate! Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es quoi? Du coup, on a bel et bien une banque en cours. C'est quoi ça? On est deux unités sur place pour l'instant. Mais tu as pété les plans? Dame 85, on est. Ah, mais c'est en forme, t'as comment ça? La dame 85, si vous pouvez prioriser, si vous plaît. Âge moyenne d'un chien. On habite toujours chez tonton? Ah, bah en parlant de ça, non. Dame 06, on finit juste avec non. On habite plus chez tonton. Okay. Mais attends, descends, je sais pas que je commence à m'énerver là. Là, tu viens, je te dis, tu viens pas, tu me dis, ouais, je veux venir, moi, je veux voir mon père et tout, je sais pas quoi. T'es là, tu t'es haute comme trois pommes, tu fais l'arrogante avec ton père. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? J'ai pas dit que je voulais te voir, ok? J'ai dit que je voulais aller sur la tombe de maman. J'ai pas dit que je voulais te voir. Attends, je vérifie. J'ai pris un billet pour LS, je pars demain, mamie est pas encore au courant, mais je te préviens, je veux revenir avec toi. Ah. Et je veux aussi aller voir maman. Ouais, j'ai dit que je voulais bah, en gros, ça veut dire que je vais revenir chez toi, quoi. Pour la flica, on passe radio 2. Donc là, tu me fais la gueule, là. Non, je te fais pas la gueule, mais... Mais pourquoi tu dis ça? Je suis juste comme ça. Mais t'es jusqu'au bord, toi? De quoi t'es juste comme ça? Bah, je sais pas, je suis comme ça. Tu voulais que je te saute dans les bras? Ah oui, je veux que tu me fasses un câlin, que tu me dises coucou papa, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, je suis contente de te voir. Bah oui, je suis contente, mais j'ai plus 7 ans, papa, ok? Oui, je sais. Fais plus, hein. Oui, mais alors? Même quand t'auras 45 ans, tu seras ma fille. Oui, tu seras toujours mon père, mais je te sauterai plus dans les bras. Eh vas-y, allez, monte, allez, grimpe-toi. Un peu, ben voilà, ben tu sais quoi, là, je suis dégoûté. Ben bravo, merci Sadi. Merci, tu m'as niqué ma journée, voilà. T'es contente? Mais cher, mais non, mais sois pas dégoûté. Non, si, je suis dégoûté, Non, mais... T'as 14 ans, tu fais la meuf indépendante, la femme indépendante. Eh, moi, je suis ton père, hein. Tiens, mes couteaux au doigt, tu peux même avoir 18 000 ans, je te le dis, hein. C'est qui ton père? C'est qui ton père? Mais je t'ai envoyé à l'autre bout du monde pour ton bien. Tu vas voir. Là. Non mais regarde. Non mais parce que. Là, hier, il a tué qui ton père? Hein? Il a tué deux Farc.
Et les FARC, ils vont vouloir attraper qui vu que les FARC c'est des salopes et qu'ils arrivent pas à attraper les grands méchants? Attends, mais t'es sérieux, ils étaient encore en vie? Non, c'est juste qu'il a fait son travail, Sadi. Mais dans la vie de tous les jours, il y a toujours des gens qui veulent se venger. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, ils vont s'en prendre à toi. Mais attends, mais tu veux que je te dépose où? Tu veux que je te dépose à la maison là? C'est quoi ton programme là? Oui, dépose-moi à la maison. Il faut que j'aille mettre les bagages. Et pirate. Et tu vas le laisser à la maison, pirate? Bah oui. C'est qui, pirate? C'est mon chien. Oh! Ah oui, c'est le chien, mon commandant. Il bouge, pirate, il bouge, pirate. Il est agile, pirate. 7 ans. Oh, il parlait pas comme ça, il va vous mordre. Ah, pardon. Je parle comme un chien. Il a été élevé à la dure. Oui, il va à la dure dans les quartiers nord de Marseille. Ah. Oh, ça tire, tu vois, ça dit, ça commence. Bah, je suis habitué, vous inquiétez pas. Arrête-toi. C'est vous qui allez vous arrêter. Vous allez vous arrêter, hein, Goui? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Commandant, une backup. Allez, une petite backup là. Allez, on baisse les armes. On baisse les armes, police. On baisse les armes, police, j'ai dit. Mais va te faire foutre, yo, putain. Toi, va te faire foutre, yo, putain. C'est l'histoire de gangsters. Non, vous ne partirez pas avec eux. Vous ne partirez pas avec eux, messieurs. Remontez dans vos véhicules. Ouais, avec ces connards, vas-y. Messieurs, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, messieurs. Mets-toi tes affaires ou on va là-bas. Mais c'est mes affaires, je suis policier, sale connard. Je t'emmerde, mec. Moi aussi, je t'emmerde. Pareil. Vous êtes de quel quartier? Vous êtes de quel quartier, vous, hein? Quel quartier? On revendique au bloc pour vos foires de merde. Laissez. Ne partez pas avec ce monsieur. Ne partez pas avec ce monsieur. Ne partez pas, monsieur. Va te faire foutre, on va monter avec cet enculé. Et on va se faire un plaisir de le canner si tu nous fais chier. Mais je vais vous faire chier, hein, messieurs. Je vais vous faire chier, messieurs, hein. Va dans le coffre, toi pauvre connard, tu vois pas que tu me fais perdre du temps avec cet enfant. Messieurs, faites pas ça, vous allez le regretter amèrement. Amèrement. Jean, tu vas te faire amèrement. On part en poursuite du véhicule en question. On a envoyé des nouvelles positions il y a 10 minutes. Sous aucun prétexte, je suis dans le véhicule, d'accord? Oui. Et tu t'appelles le. Bah, tu sais quoi, tu t'appelles Emeria là, en attendant. Si on te demande, tu t'appelles Emeria, d'accord? Oui, madame 06, on arrive. Tu dis jamais ça dit, hein, tu dis jamais ça dit. Je te jure qu'ils vont te tuer sinon. J'ai compris, papa, t'inquiète. Oui, j'ai pas envie que tu meurs. Tu me comprends? Oui, je te comprends. Ok, merci. Ah, heureusement que c'est pas nous qui sommes en train de se faire prendre en otage, mon commandant. Regardez, personne n'est arrivé toujours. Hein. Bah oui. Ah oui, une backup 2 en plus. Bah ouais. Mec, et si on entamène une phase de négociation? Ah, bah c'est trop tard pour négocier, petite merde là, sac à foutre. C'était tout à l'heure qu'il fallait négocier. Tu m'as dit que c'est l'histoire de gangster, j'en ai rien à foutre d'écraser un gangster. Arrête-toi. Bah alors, bah si t'en as rien à foutre, lâche-nous, merde. Bah non, justement, parce que je veux arrêter d'autres gangsters encore plus gros. Oui, le backup, parce que personne m'appelle, personne ne répond. T'entends ça, mec? Espèce d'enfoiré. T'as droit à une gifle. Tiens, une gifle, je suis un grand gangster. Bon, alors, en fait, actuellement, il y a plus un chien quand je suis en cours. Si t'as étendu le plus d'otage, il y a également une bombe. Messieurs, vous aggravez votre situation, arrêtez-vous, messieurs. Et toi? Bon anniversaire. Arrête de me suivre, arrête de me suivre ta grand-mère. Oh oui, Spanish Avenue remonte direction Vinewood, direction nord. On est sur Vinewood Boulevard, direction... C'est moi, j'ai tiré. J'ai tort, faut nous tirer dessus, pour t'enfoirer. Non, pas sur toi, sur la voiture qui me suivait. T'es tombé sur le pire flic de cette putain de ville, je suis la faucheuse. Tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas, gros sac à foutre, je te le dis. Tu sais pas c'est quelle voiture, c'est la voiture des... Toujours direction sud. Je suis pire qu'un gangster, je t'assure, je suis pire qu'un gangster. Je suis le mal en personne. J'attends que ça que tu me tires dessus pour que je puisse t'abattre. Je rêve de te ôter la vie, petit fils de pute, je rêve. C'est mon rêve, tire-moi dessus. Ah, tiens. J'ai fait exprès. Ouais. Putain. Tu veux nous tuer ou quoi, mec? Ouais, je veux vous tuer, ouais, arrêtez-vous. On prend direction sud, parking rouge. On arrive au niveau du parking rouge. Ça dit bouge-toi les oreilles, d'accord, je... Vous êtes Wood, c'est vous là, Masterclass. Alors t'as haut-parleur là? Arrêtez-vous, messieurs. Si jamais, il y a un véhicule qui nous suivait, donc si jamais le véhicule revient, vous en chargez, ok? Il y a moins gros, c'est pas un plan. Voilà, mets la réduction de bruit. T'as des AirPods, toi? Bah ouais. Qui c'est qui t'a acheté ça? Moi, je te rappelle si jamais je passe dans une cabine.
c'est mon oncle. Bon anniversaire encore. Mon oncle, c'est qui ton oncle? Tonton Kader? Ouais. Vous écoutez quoi comme musique là? Aïe! C'est pas avec mon argent de poche? Oh, ce que vous connaissez pas. Oh, vous me connaissez mal là. Parce que je t'ai envoyé plein d'argent de poche quand même. Je crois en toi pour de vrai, je te jure mec. Ouais, je l'ai gardé. Il y a un plan dans le coin là, Riz. Vous inquiétez pas, je sais mon commandant. Ferme ta gueule. 06. Oui. Quoi qu'il arrive, nous, on suit, d'accord? Donc fais bien le tour, hein, si jamais tu chottes. Ouais, t'inquiète. T'as rien, y'a rien, arrête de faire semblant. Aïe, un peu quand même, yo, j'ai un peu mal. Écoute, j'ai une app. Accroche tes petits connards, on a pas le time là, je te rappelle. Attends, c'est quel otage que vous suivez? C'est au bloc. C'est pas grave, les gars, ils ont une voiture de merde et tout. Franchement, j'ai même pas envie de les arrêter. Mais bon, ça fera moins de vue sur TikTok. Ralenti. Aïe. Je comprends pas si j'ai un col radio, pourquoi il est toujours au prix. Il y en a un qui a sauté, chopez-le la voiture derrière. 74, il y a 11 qui a pas été retrouvé encore hein. Ben ouais. Gardez votre endroit en radio, gardez votre calme, et faites école militaire et précis. Du coup, on s'est fait plan nul. OK. Dans des tunnels. Et ça dit t'écoutes quoi? Oh, ça dit! Eh, je te tape! Et un sac la popo, il se prend ma photo! Ah, mais je connais ça! Matsumi, time! Et pas du tout! C'est ça? Non, c'était Naps! Ah, d'accord, je connais pas. Non, c'est ça fait popo, survêt croco, on fume le popo et on fuck la popo, lisse. Oh! L'otage, c'est l'otage hein. Vous avez perdu l'otage. Y'a l'otage derrière, hein. Y'a l'otage derrière hein. Eh oh. Allô. Non, il est derrière. Faites demi-tour. Attendez, bougez pas. Attends, il est plus dans... il est plus dans le coffre, gros bâtard. Ah. Salut José. Je voulais récupérer. Ok. Prends le volant. Prends le volant, je voudrais faire une liste dans la voiture. Arrêtez-vous, messieurs, vous aggravez votre cas. Je suis le meilleur conducteur de cette ville, messieurs, vous allez le comprendre ça. Oui. T'inquiète, boy. Tu m'as fait une annonce là comme quoi négociation pour rien ou pas? C'est bon, retire tes AirPods, ma fille. Écoute, là, c'est le moment intéressant. C'est bon. Ma fille, oh. Vas-y, je te tape le genou, oh. Quoi? Enlève tes AirPods. Ils ont plus d'essence, c'est marrant. Ah. Là ils vont descendre, ils vont braquer les otages, ils vont dire ouais, soit nous donner une voiture, soit on tue les otages. Bon, ils vont pas le faire, mais au cas où quand même, on va quand même leur dire oui, tu vois. Ok. Ouais, nous si on est archi. Messieurs, arrêtez-vous là, ça y est, c'est ciao, c'est break it down, c'est terminé hein. Oh là. Tiens, vas-y, tu vas sauter du coffre. Non, je sais ce qu'on va faire. Non, on va descendre là, tous douce. Ah oui, j'ai un bidon d'essence, le cops. Non, j'ai pas de bidon d'essence. Tu vas te démerder, on fait un plein. Descends du coffre, toi pauvre connard. Descends du coffre, yo. Ouais. On peut avoir du renfort sur ma backup, s'il vous plaît. Il y a une prise d'otage, les collègues là. Ouais. Attends, je m'emplace le véhicule, mon commandant. Toi, faire quoi? Je m'emplace le véhicule. Laisse t'enculer. Toi, tu fermes ta gueule, te dis toi. Laisse ton arme. Et recule du commandant, toi. N'y pense même pas. Je t'emmerde, yo. Je t'emmerde aussi, yo. Allez, bien fait pour ta gueule. Eh, il est où le deuxième? J'ai pas pris la canne. Il est où le deuxième? Il y en a pas bien sur la route. On vous l'a balancé, les boys. Ah, c'est un otage? Ouais, c'est un otage. Ah, ok. Donc il y en a un là, et apparemment il en resterait encore un, quelque part. Non. Si? Ah non, possible. Ils avaient pas trois otages. Ah non, il y en avait deux. Non, mais il y avait une autre voiture, il y avait la Buffalo Blanche aussi. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe à ça. Bon, vous voulez quoi? Vous voulez quoi là, messieurs? Un bidon d'essence, bah bon. C'est qui paye? C'est moi? Bah ouais. Un bidon d'essence plein. Est-ce qu'une unité peut venir avec un bidon d'essence, s'il vous plaît, les collègues?
Accélérez votre petit cul si vous voulez pas que je vous mette à pied, les collègues. Je vous jure que je vais regarder le dispatch. Je vais regarder qui est en train de rien branler, qui ignore ma demande de backup. Il y a plein d'OP. Elle arrive, 06. Ça marche. J'attends, 06. C'est quoi, y'a du boulot pour vous là? Petit enculé, tu sais quoi, on va régler. Y'a trop de mecs comme moi dans la ville? S'il vous plaît, monsieur là, il vous a fait quoi le monsieur là? Je vais vous baiser vos mères. En vrai, de vrai, je sais même pas ce qu'il nous a fait, je te jure, mec. Alors pourquoi vous lui faites ça? Yo, il me prend pour un con. Il a tenté de nous baiser, je crois. Attendez-vous, vous êtes 6 blocs, c'est quoi, c'est le nord ou c'est le sud? Non, mec, ça c'est les Ops, mec. Moi je suis un O-Block. O-Block, c'est les bâtiments au nord ou au sud? C'est le meilleur hood, enfoiré. Ouais, c'est le meilleur. Ouais, mais je sais pas c'est lequel, moi, le meilleur. C'est les 4 tours. Donc c'est vous qui avez aussi kidnappé 11. Les 4 tours, ok. Non, c'est moi qui t'a pété la gueule à toi, par exemple, tout à l'heure. Non, je crois que c'est les 6 blocs qui ont kidnappé 11. Non, c'est pas. Bah, c'est les hauts blocs. Attends, toi t'es les 6 blocs, toi. Haut bloc, mon pote. Toi, t'es haut bloc, toi. Ouais. Ok, bah, c'est les 6 blocs qui ont kidnappé 11, je crois. On sait pas, boy, on s'en bat les couilles des 6 blocs. Ils sont en merde. C'est les hauts blocs. Mais c'est peur, mais. Pas, hein. Ouyouyouy, hein. Aïe, 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 ouyou, j'ai parlé français, hein. Il y a pourquoi vous êtes en civil, là, comme ça, là? On était en MCD. On était en MCD. Ta grand-mère, Bobby. Eh, vous avez de l'essence ou pas? Non, personne a un bidon, là? Non. On n'a pas pu mettre à la station. Et pourquoi t'as une STX? Mais comment on en prend une STX? Lui, il est fou, quoi. C'est pas une STX. Depuis quand ils sont de retour, les Dodge, comme ça, là? Puis attends, voilà, attendez. Ils sont moches, hein. C'est ça dit. C'est qui dans la voiture? Oui, mais c'est pas des véhicules de MCD. Hein? C'est ça dit. Attends, je baisse la fenêtre. Quoi? Qui passe cette fois-ci? Que je t'avise puteur voir derrière mon rétroviseur, sinon je te fais le cul tous les. Ouvre ta fenêtre, ça dit, ouvre ta fenêtre. Ah, ok. N'essaye plus jamais d'être dans mon rétroviseur. Tu te rappelles du 26 ou pas? Toi? Non. C'est... Ah, si. C'est Caillou. Si, tu te rappelles? Ouais. Arrête, pourquoi tu fais des bêtises, Caillou, encore? C'est à cause d'elle que maman était jalouse. Yo, Caillou, ça roule. Non. Tu fais des conneries encore à braquer des gens, là. Ouais, c'est plus compliqué que ça, c'est plus compliqué que ça, hein. Et la zone d'arrêt? Et la zone d'arrêt, c'est ma mère qui va la mettre, la zone d'arrêt? Hein? Ça dit. Ouais. Ouais. Et parle doucement, hein. Caillou, ça va? Ça fait longtemps que t'as pas vu. Bon, j'ai le bidon. Ah, bah tu peux mettre notre essence si ça te fait plaisir. J'ai quoi d'échange? Bah t'as ce qu'on a là derrière moi. Ok. On te donne son béret. Ok, je te jette le bidon par terre et tu me jettes l'otage, c'est bon? Ah bah non, attends, vas-y, on jette l'otage. Non, attends, il va attendre que je mette l'essence. Mais non, mais moi j'ai pas de garantie, ça se trouve, tu vas tuer l'otage et tu vas partir avec après. Eh, nous les Oblocs, on jette l'otage. Seule parole. Non, moi j'ai pas confiance au gangster. Tu devrais pourtant, yo. Regarde, on va faire un truc. Moi je pose le bidon par terre. Toi tu viens à côté de moi. Sans armes, tes collègues gardent l'otage. Une fois que l'essence elle est mise, tu m'envoies l'otage et je vous rends toi. Ah non, ça me va pas. Et pourquoi? Parce que, yo, tu sais, j'ai pas confiance en votre truc non plus. Ah oui, mais moi non plus. Il y a deux jours, on m'a dit prends pas de baveux, ça va prendre 5 minutes, ça a pris 1h30, je me suis sorti de chez toi avec 15 000 $ d'amende. Ouais. Oui, ben, bon, regarde, décide-toi ou je continue de vider l'essence. Non, vas-y, tu sais quoi? Non, mais tiens, allez, tiens, je vais vider son sang, yo. Vas-y, prends un couteau et vide-le de son sang. Non, mais c'est bon, j'arrive, mec, ouais, ok, regarde. Super, allez, viens, y'a un autre qui vient récupérer le bidon là. Vas-y. Allez, on se dépêche, arrête. Allez, viens récupérer le bidon là. T'es con quoi, mec? Tiens, c'est mort. Putain. Mais vite, hein, s'il te plaît. C'est juste au cas où, c'est par sécurité. Yo, tu sers super fort, putain. C'est par sécurité. Regardez-moi, monsieur, dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Ouais. Comment tu t'appelles? Moi? Non, ouais. je veux pas savoir. Je m'appelle Barksdale. Enfoiré. Okay. Ok. Tony, c'est du nom. Je serais toi, je me mettrais plus jamais en face de moi. Sinon quoi? Tu risquerais de le regretter. Sinon quoi? Oh, excusez-moi, pardon. Pardon. Il a glissé. Pardon. Y'a que l'essence par terre, je pue l'essence maintenant, c'est bravo ça. C'est bravo ça. Ah, réveille la gueule, hein.
Réveille la gueule, connard. Non, c'est bon, c'est bon. Comment ça m'a traité l'otage là? Maltraite. Arrêtez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Attendez, quand je frappe lui, vous frappez l'otage? Exactement. Mais l'otage, c'est un gangster aussi, j'en ai rien à foutre. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, les collègues, vous inquiétez pas, je maîtrise. Je maîtrise, les collègues, je maîtrise. Sache que l'otage c'est un gangster aussi, on a rien à foutre hein. Range ton arme si tu veux qu'on baisse la note. Mais c'est votre arme monsieur, tu voulais qu'on baisse la note. Ok je recule mais tu ranges ton arme. D'abord recule. Ok, je recule. Recule Bobby. Baisse ton arme alors. Putain c'est facile de casser la gueule à un mec carrément. Je te jure c'est trop facile. Ça fait deux fois je te dis de venir ma fille. Checker de temps en temps les messages centrales parce que c'est là il envoie les positions. La prochaine fois je te braque et je te mettrai dans un putain de rig et tu seras forcé à ne pas. Fais-le et me rate pas petit. Me rate pas, petit sac à merde, hein, me rate pas, je te le dis. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Duchesne, je te jure, cet enculé va finir dans la cage dans le pay-per-view, je te promets. Je te jure. Tu vas finir dans le pay-per-view. Tu vas finir dans la cage, tu espèce de. Je te jure, tu vas finir dans la cage. C'est bon, vous avez mis l'essence? Nickel. Ok. Nickel. On fait l'échange? A péter la gueule, cet enculé. C'est bon, à 3 on lâche, ok? Toi l'otage tu cours vers moi, vers la voiture. Deux. Pas ma voiture, tu cours vers la voiture noire de la MCD, ok? D'abord détache les menottes, d'abord. Ouais, détache les menottes. Ok, ok. Foiré, je sens le coup foireux. Ok, c'est bouge bon, pas. Je suis libre. Un. Ok, c'est bon, c'est bon. Deux. Trois, yo. Ah, vite, 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 vite. Arrêtez-vous, messieurs, arrêtez-vous, bande de. Arrêtez-vous. Ouais, ouais, on s'arrête, ouais. Oh merde, mais c'est trop le chien. Pardon. Un pepene. Mais c'est pas un pepene bordel, c'était Nabs, Croco. Ça va, Sadi? Crie pas. Ouais. Dis-toi, Sadi, vraiment, le commandant, tu peux lui faire confiance 100%, 100%. C'est trop un bon, c'est pas comme 22, je sais pas, tu te rappelles de 22, le chinois? Tu te rappelles ou pas? Ouais. Tu te rappelles? Eh ben 22 c'est pas trop un bon, mais le commandant c'est vraiment un bon. Non mais 07 pardon. T'es toujours pas commandant là papa? Non je suis toujours pas commandant. T'es encore sergent? Je suis sergent chef. Oui c'est très bien. Ouais en vrai j'en veux pas plus là, je suis bien moi. Sergent chef c'est parfait hein. Je peux faire... Allô? Ah, on est Spanish Avenue, direction Est. On passe Armory Vinewood maintenant, toujours direction Est. On remonte peu, oui, on redescend, pardon, direction Sud. Oh on va passer direction Footbox, toujours direction Sud. On passe Footbox maintenant. On a pas besoin d'un renfort en vrai de vrai. Hein. Bah ils sont trois quoi. Mais je les atomise. C'est au cas où ça se prend un promule quoi. Tu veux rester solo? On peut, c'est vous le commandant hein. Non ils vont venir au cas où, en cas où ça se prend nul. Je peux pas me rapprocher, y'a beaucoup trop de tout. Place des cubes. Place des cubes, direction Unicorn. Pardon, je sais pas. Station essence Unicorn. Medical Center. C'est bon, vous êtes pas loin? On contourne le Medical Center. Davis Avenue. On reprend direction Unicorn. Nickel, parfait, je raccroche. Il y a juste un rassemblement de personnes en bâtiment qui sont pas masquées. Bah, on en a rien à foutre alors! On en a rien à foutre alors, ils sont pas masqués! Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais y'a le véhicule qui est potentiellement là. Le véhicule Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il a dit un rassemblement de personnes, mais ils sont pas masqués. Alors faut les laisser. Ah oui, ce que je lui ai dit, je lui ai dit bah alors referme ta gueule. Non, c'est réel ou pas mon commandant? Oui, mais faut le dire d'une autre manière quoi. Eh commandant, moi. Il y a des gens, des fois ils le prennent mal, Riz. Mais je les emmerde. Et on fait un travail où les gangsters ils passent le. Oui, mais non, mais ce qui fait un bon SASP ou même SP à l'époque, c'est de leur faire comprendre.
Mais pas de les dénigrer, tu vois. Moi je vous dis, quand j'étais rookie, on me dénigrait, c'était comme ça que ça marche. Ah oui, ça a toujours été comme ça, mais maintenant, bah... Bah oui, mais bon, changé, voilà, quoi. C'est le wokisme, ça, mon commandant, moi je vous le dis. C'est les wok. C'est les wok qui nous ont tout pris. C'est quoi les wok? Les wok, c'est les... Ouais. C'est la bien-pensance. Voilà, on peut plus harceler les gens au travail, non mais quand même, mon commandant. Vous allez au pas? C'est normal après, bon. Non, c'est pas normal, mon commandant, c'est pas normal. Mais c'est vrai que moi, putain de temps, les rookies c'était des salopes. Bah oui, c'est vrai, moi je pense qu'il faut remettre ça. Oui, non mais c'est compliqué quoi. Non, c'est pas compliqué, je vous assure que c'est pas compliqué. Commandant, j'ai une idée de fou. Franchement, on fait pas une soirée, on met tout le monde rookie à part vous et moi. Non, pas mettre 22 les lieutenants rookies quand même. Non mais 22, ok bon, 22 oui, mais non, on les laisse. Histoire que... Oh, vous savez ce que... Tout le monde à la même échelle pendant une soirée. Vous savez ce qui serait bien? En gros, échange de grades. Pendant un soir. D'accord. Par exemple, on met les rookies, on les met lieutenants et tout. Les lieutenants, on les met rookies. Et en fait, ça permet aux lieutenants de se rendre compte de ce que vivent les rookies. Et aux rookies de se rendre compte de ce que vivent les lieutenants, par exemple. Moi, j'aurais mis tout le monde rookie à part l'état-major. Ah, mais l'état-major, je pense qu'ils sont un peu déconnectés de la réalité. Je pense qu'on est un petit peu déconnectés de la réalité en vrai. Vous voyez ça quoi? J'aurais bien fait. T'aurais pas fait. Je te dis pas, on fait une soirée rookie. Tout le monde est rookie? Non, mais même nous, ouais. Ben, si, il faut qu'il y ait des gens pour nous lead en fait, si on est tous rookies, mais qu'au final. Ouais, c'est vrai. Vous voyez? C'est pour ça que inverser, je trouve que c'est cool. Vas-y, on va réfléchir à un beau truc. Mais je suis chaud. Genre, les rookies passent sergent, les officiers ils passent lieutenant, les lieutenants ils passent. Vous voyez? Les lieutenants ils passent rookie, ouais, les sergents ils passent officier. Et moi je passe capitaine. Oui, et toi tu passes capitaine. Ma petite fille d'amour, tu passeras ce que tu veux parce que tu es la reine de ce monde. Et que je t'offrirai tout ce que tu veux dans ce monde. Si jamais tu veux la lune, je t'offrirai la lune, d'accord? Parce que tu es ma petite princesse d'amour. Ok. Ok. Ah là, tu me dis pas. Oh papa, j'ai pas 7 ans, c'est gênant, hein. Ah là, quand c'est pour t'offrir des trucs, là par contre, y'a du monde, hein. Bah quoi? Oui, bah quoi? Ouais. C'est les ados, oui. Tout à l'heure, je voulais te faire un câlin, tu m'as dit, papa, c'est gênant. Quand t'avais 14 ans, tu faisais un câlin à tes parents? Ouais? Tu mens. Mais non, je mens pas. Pourquoi je leur ferais pas de câlin? Même à mon âge, je leur fais des câlins à mes parents. Oh, ouais, c'est bon. Aïe! Allez, on sort les mains en évidence. Tranquillement, mets-toi derrière, espèce d'imbécile! Calme-toi, Riz, calme-toi. Ok, vous allez pas faire de gestes brusques, d'accord? Ne me donnez pas l'occasion de vous abattre. Aucun geste brusque. Avec grand plaisir. Je lève d'abord les mains. Ok, ça c'est très bien ça. Je lève d'abord les mains. Voilà. Ensuite on descend, tranquillement. T'es sûr? Ouais, vous pouvez. Ok. Ah, j'ai peur d'ouvrir la porte. Pas de geste brusque. Ok, les gars, tout le monde pense à une serpe. Ah quoi? Voilà. Il est le troisième. Voilà. Maintenant, on va mettre les mains contre la voiture. Contre la voiture, tranquillou. Voilà. Toi tu ranges ton arme, mais t'es fou ou quoi? Et rangez vos armes les deux là. Je vais le ranger. Oui, rangez-la tout doucement, Ouais, tout doux. Et toi maintenant? Voilà. Ok, parfait. Allez, baissez vos mains. Yo, je plaisante. Mais j'ai... Oh là là. Fais attention hein. J'ai plus de monotes moi les collègues, il faut que vous les menottiez. C'était pas le moment. Sécurité, hein. J'ai eu une frame où je me voyais le tuer. C'est serré encore comme je sais pas quoi. Ah oui, c'est le principe des menottes hein. T'avais qu'à pas te faire arrêter, t'aurais pas été serré. Oh, quelle idée de mettre aussi un foutu truc là. Oh putain, enculé doucement là boy, t'es serré un peu là. Le dernier otage. Ah c'est vrai, ils ont pris quoi ces Gaulmont? Ils ont pas de dernier otage mon commandant. C'était un caillou qui est en plein milieu de l'autoroute, enfin de la route. Quel otage vous parlez en plus? Allez mettez-vous contre le mur, on va vous poser des petites questions. C'est qui, c'est 03 ça? 06? 75. 06 et 75. Ça va 06 75? Très bien. Ça va, bon. J'ai un numéro de téléphone. Ouais. Monsieur Caillou là. Yo, je te parle pas. Bon, c'était qui les mecs que vous avez essayé de prendre en otage là? Commandant, merci. Yo, on a pris personne en otage, boy. Écoutez, moi, je vous explique. Moi, je suis sergent-chef. Moi, je traite dans les gros poissons, d'accord? Donc, les petites affaires de gang comme ça, j'en ai rien à foutre. Suivant les réponses que vous me donnez, si vous la jouez franche avec moi. C'était pour une petite banque, yo, enfoiré. Une petite banque? Non, t'es un menteur. T'es un menteur. Allez, tu mens. Allez, toi, regarde. Toi, tu vas au PDP.
Putain, du chêne, non, du chêne, yo. Allez, monte. Putain, ça va dans le Du coup, pourquoi vous les avez voulu les prendre en tâche, ces gens-là? Parce que c'est nos hops, sur les baisse tous les jours, yo. C'est qui, c'était les Hitchin? J'en sais rien, quel genre de goût. Tous ceux qui sont sur place des cubes, j'y viens, je les baisse. Pourquoi c'est votre territoire, la place des cubes? C'est mon territoire, ouais. Je détaille tous les jours là-bas. Tu vends des stupes là-bas? Stupes, beux, coke, héros, tout ce que tu veux. Et ceux qui ont commencé. Judiciaire. Ouais, non, mais je te crois. Et ceux qui ont commencé à essayer de vous chercher ou c'est. Non, c'est juste que ça dort, c'est tout. Alors du coup, on est obligé d'aller les péter pour que. Répète, j'ai pas entendu le début de ta phrase. J'y sais rien, c'est pas des vrais gangsters. C'est pas des vrais gangsters, tout simplement. C'est-à-dire? Donc on met un petit peu de tabasco dans le plat, tu vois? Histoire de faire remuer un petit peu les choses. Pourquoi c'est pas des vrais gangsters? De quoi elle passe le sel, boy? Ils ont même pas non, de gueule. Non, mais parce que c'est parce que c'est pas des vrais gangsters. Mais c'est qui eux? C'est qui? Tu vois, je te regarde droit dans les yeux. Tu vois, je te regarde droit dans les yeux. Moitié des gangsters ici, c'est pas des vrais gangsters. C'est tous des flops, tous des mouilles. Proche-toi pas de moi. Et toi, t'es un vrai gangster, toi? Je suis un vrai gangster. Hein, toi, t'es un vrai gangster, toi? Hein? T'es un vrai gangster? Oui, pardon, mon commandant, excusez-moi. Il a trébuché tout seul. C'est pas vrai, il m'a poussé, vous l'avez vu. Ok. Et donc du coup, c'est parce que c'est pas des gangsters que vous avez voulu... Oh bien, vous inquiétez pas, je suis là, mon commandant, vous inquiétez pas. Il a frappé mon fils. Je tape encore. Je le connais encore. Toi aussi, reculez, restez calme. Oh la vache. Excusez-moi, mais c'est vraiment trop drôle de taper des gens menottés, c'est pour ça que j'abuse à chaque fois, parce que... Désolé, mais... Non mais, de les voir tomber comme ça à chaque fois, ça fait quelque chose. Mais remontez dans le véhicule. Ok, donc je récapitule. Donc en gros, eux, ils viennent sur votre territoire, vous les prenez en chasse. Et c'est vous qui leur avez tiré dessus? Ou c'est eux qui vous ont tiré dessus? Je sais pas, non. Bon, sinon je vous fais un tâche de poudre, hein. C'est moi qui a tiré sur leur gueule, pam. C'est vrai, lui on l'avait tiré, lui. Ouais, lui on l'avait tiré, lui. T'as vu papa dans mon dernier son, quand je dis pour la reggae j'amène mon papa. Papa, T'as capté, papa. Oh, c'est le tarot qui tire, mec. Putain, allez écouter le dernier son, là, il va être sale. C'est le Haut-Bloc ici, mec. D'accord. Il est où l'ancien de Haut-Bloc, là? C'est qui l'ancien de Haut-Bloc? C'est moi, l'ancien de Haut-Bloc. Et toi, l'ancien? Je t'avais donné une mission, toi, à l'époque. Ouais, mais je t'ai dit que t'es un foutu cops, tu te rappelles pas? D'accord, toi aussi tu vas au PDP. Yo, oui. Je t'avais promis que je venais avec toi. Et toi, Je t'avais promis. Toi, te faire foutre, toi. Monte. Il est allé où ton arme, là? Monte, ma belle. Je crois que ta collègue... Je suis sur un projet, là. C'est bon, vous l'avez pris, déjà? Je suis sur un projet, là. Allez, circule. Ouais. Vous avez vérifié la voiture? Comico boy. J'ai pris son arme, monsieur. Vous avez vérifié la voiture, c'est bon? Pendant que je suis dans la caisse. Non, on n'a pas vérifié le véhicule par contre. Ok. Bon ben, bien joué les collègues. Merci. Du coup, c'est comment? C'est prise d'otage et possession d'armes illégales? Non, mets-leur juste... Possession d'armes. Est-ce que je peux donner les clés de la voiture à mon fils? Ouais, s'il vous plaît. Ouais, c'est ton affaire 06, Allez-y. Cool, 06, cool, merci. Sans Felice. Tiens, fouille-moi, prends les clés de la putain. Bon ben voilà, hein, bon ben... C'est fait. Ah, bien joué. Bah merci mon commandant. Merci ma fifille. Tu sais que tu resteras toujours ma fifille, hein. Ouais, je sais. Mais attends, mais là ça fait que tu vas aller à l'école, là, tu vois, quand on croise... Tu comptes rester combien de temps, là? En vrai... Si je me plais, je pourrais rester. Genre pour tout le temps. T'habites où, Riz? J'habite au phare. Toute ta vie, tu finiras au phare, toi. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi tu voudrais rester ici? C'est bien la France, il y a la sécurité sociale, et les bons tacos. On mange bien. Bah, il y en a parce que je suis née là, parce que t'es là. Parce que maman est là. Et voilà. Tu veux qu'on aille voir ta mère avant de. Avant qu'on aille à la maison? Ouais. Ok. C'est vrai que je suis jamais allé sur la tombe de Sadie. Et si t'aimes pas? Pousse-toi, connard! Je partirai. Bah, le Wazel News, ils t'ont rien fait. Hop là. Je l'ai pas touché, hein. Non. Ok.
Écoute-moi, en fait je veux juste clarifier un truc avec toi, d'accord, ma petite plus d'amour que j'aime de tout mon cœur. Oui. De Freya, putain merde. C'est que, en fait moi je suis content quand t'es là. Tu vois, je suis content quand t'es là parce que t'es ma fille, voilà, je t'aime et tout. Mais c'est dangereux. Les gens, ils vont s'en prendre à toi. Demande au commandant, s'il te plaît commandant, dites-lui qu'elle croit pas que je suis fou. Mais pourquoi? En fait c'est ça le problème, Sadie, c'est que quand t'es impliqué dans des grosses affaires d'enquête, tout ça, les gens n'ont pas de couilles, d'accord, Sadie? Je te dis les choses très clairement. C'est peut-être mal interprété, mais au moins tu l'entends. Et du coup, vu que les gens n'ont pas de cojones, comme on dit en France, Non, ça d'Espagne. Ah, ok. Et du coup, les gens, ils s'en prennent aux proches, tu vois. J'ai déjà été dans une petite, je m'en rappelle. Oui, j'ai tout entendu, bien sûr. J'ai rien compris, ouais, redis. J'ai déjà été petite. Quand j'étais petite, j'ai déjà été prise en otage, je m'en souviens. Il n'aurait pas dû. Oui, mais c'était par les phares, ils sont toujours là, hein, d'ailleurs. Je sais, comment dire. Papa, je vais pas vivre éloigné de toi à chaque fois qu'il y a. À chaque fois qu'il y a un danger, ça veut dire qu'on va jamais. J'ai pas entendu. Vivre en. Si la SD est toujours sortie et en recherche pour l'argent pris en otage. À cause de ton boulot, on peut pas être ensemble. Déjà 7 ans. C'est pas normal. Elle marque un point, hein, il. Oui. Allez, viens. Mais là, tu vois, avant, ma femme a été prise en otage, ok? Parce que il n'avait pas eu l'audace de venir me voir, tu vois, ça dit. Ah, mais je crois que c'est le serveur qui bug. Je n'y rentre pas dans les détails, mais lui, on fait de mal. Je veux pas que. Riz, c'est pour ça que Riz, et voilà. Pas ton père, quoi. Il veut te protéger, ce qui est normal. Mais pourquoi il me prend pas quelqu'un comme Lenny avant? Parce que les gens sont nuls, ça dit. Mais Lenny, il était bien. Je connais pas Lenny, désolé. Oui, et d'ailleurs, Charlie et Cass, c'est des petites putes, d'accord? Donc je veux plus que tu les vois. Hein. Quoi? Oui, elles ont essayé de m'envoyer en prison. C'est les seules copines de maman qui... Oui, elles ont essayé de m'envoyer en prison, les copines de ta mère. Ouais, je te jure, c'est vrai, hein. Je dis pas ça pour te casser les couilles ou quoi. Ok. Parce que t'as vu le... Cass, elle a envoyé un screen. Ouais, d'une ambulance qui était sur le lieu du crime d'un mec. Et elle a dit ouais, c'est risque qui conduisait l'ambulance. Je suis quand même courageux. 6, 4, on est toujours et à alors 4. Alors, comment ça y est alors? Bah j'aurais pu aller en prison, hein. Je sais plus c'est laquelle. Oh. Elle est là, maman. Ouais, elle est là. Voilà. Ça fait longtemps. Tu me manques trop. Bordel. Yeah. Mamie s'est bien occupée de moi, mais... Tu sais, ça... Ça comblera jamais ton absence. Tu me manques, maman. Il est trop pire, le commandant. Le commandant, il a rien à foutre. Non, c'est sale. Fais pas des bisous sur ça. Des fois, il y a des gens, ils font pipi et tout. Hein. Quoi? Il y a des gens qui... Ah oui. Qui pissent sur la tombe à maman? Oui, des fois, il y a des chiens et tout. Ils passent, ils font pipi. Faut pas faire des bisous, hein. Tu veux pas lui parler? Non, je veux pas lui parler. Pourquoi? Pourquoi je... M'entends pas, elle est morte. Quoi? Elle est morte, m'entends pas. Tu m'as dit qu'elle était dans le ciel quand j'étais petite. Oui, elle est dans le ciel, mais on est pas dans le ciel, nous. C'est vrai, t'avais 7 ans, t'as plus 7 ans. Et alors? Moi, je suis persuadée qu'elle nous entend. Ah oui, bien sûr, elle nous entend, bien sûr. T'as vraiment un cœur de pierre, papa. Non, c'est vrai, elle nous entend, non, t'assures, elle nous entend, c'est sûr, elle nous entend. Tu nous manques, Freya. Même 99. Tu nous manques. À l'écoute. Vous êtes toujours avec 03-99? Oui. 4. Vous l'avez pas connu?
Ango 09, vous êtes ensemble. Ah si, si, Frida, j'ai connu. Ouais, sur la fin. Ok. Ango 91, vous êtes avec... Bah, j'étais avec, avec ton père quand il était là sauvé sur la grue. Tu l'as raconté l'histoire de la grue ? Oui, non. En 13, 11, 07. Non. 5, je vous La mère faisait le ménage au chantier, voilà, la grue. C'est qui 11. Il est pris en étage. Mais voilà, c'était une belle personne, une bonne personne et... Tu te rappelles, repose en paix. Tu te rappelles, elle est morte de quoi, ta mère ? D'un cancer. 18. Ouais. Écoute, joue ensemble. Oui, je sais. 88. Affirmatif, 88 plus 30. Et voilà. 114. Affirmatif. C'est vraiment de la merde, la vie. C'est pour ça, il faut pas que tu fumes. Ok. Ouais. Quoi ? Ouais. Quoi ? Attendez. Ouais, t'inquiète. Mais tu fumes pas ? Non, pas du tout. Non, parce que je sais qu'à Marseille, ça fume des puffs et tout. Tu fais pas des ballons ? Quoi ? Non, jamais. Tu fais des ballons ? Eh non, c'est pour les fonce dés, ça, papa. Ok, ok. Tu fumes des puffs ? C'est quoi ? Non, mais j'ai déjà... essayé la chicha. T'as kiffé ? Ah, double pomme, c'est incroyable, hein. Je vais te mettre deux tartes dans la tête. Retouche une chatte, tu vas voir. Retouche une chicha, tu vas voir. Vous avez été accès d'où, vous ? Quoi ? Pourquoi tu parles de Seydou, toi ? Non, mais non. Parce que tu fais des chichas. Non, non, faut plus faire des chichas. Hein. 14 ans des chichas ? Ah, mais 14 ans des chichas, mais oui. Non, mais c'était pour tester avec les... Moi, à 14 ans, je faisais des booms, ok ? Moi, à 14 ans, j'avais un bâton et une pierre et j'étais très content, je demandais rien. Oui, à Noël, t'avais une orange. Non, non, je fêtais pas Noël. Moi, il y avait pas de Père Noël. C'était à la dure, Moi, tu sais, quand j'étais petit, moi, j'avais rien. Il y avait rien. Il y avait personne moi, pour me donner à manger. D'accord. Donc les petits enfants pourris gâtés comme toi là, hein, ma petite crocotte d'amour. Allez, viens. Bah, c'est toi qui m'as levé. Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça. Et tu mérites tout le bonheur du monde. Quand tu veux faire barbecue? Ça va pas, hein. Il est trop drôle. Elle lui a dit, vous savez, on va pas acheter du charbon. Il a dit, je vais faire un barbecue. Oh là là. Et du coup, t'habites où ? Au phare, la maison du phare. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit le phare. Ouais. Parce que je vais pas te laisser traîner dans la nature comme ça. Au phare. En plus, ça dit, je trouve que tu fais pas. On habite à la campagne. Bah oui, bien sûr qu'on habite à la campagne. Y'a du réseau là-bas. Ouais, y'a la 3G. La 3G ? Ouais. Mais comment je vais faire ? Après, y'a le wifi à la maison. On a la DSL. On a la fibre ? Non. Non, on a pas la fibre. Oh, tu as pas commencé, hein. Mais ça existe plus en 2024. Il faut qu'on lui trouve un skin qui fasse plus 14 ans parce qu'on. Elle fait pas 14 ans là. C'est trop dur de trouver des skins ados. Y'a des trucs à faire, moi. Y'a des trucs à faire, oui, bien sûr. Y'a la mer juste en face et tout, c'est grave bien. Mais non. Je dois installer mon PC. Ton PC ? Bah oui. Quel PC ? On dirait la grave, non, c'est une meuf dans Resident Evil. On a trouvé que ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec un PC, ça dit ? Bah je joue. Tu joues à quoi, toi ? Y'a plein de trucs. Tu joues à quoi ? Tu joues aux Sims ? Non. Zoo Tycoon ? Non. D'accord. À Beau Hôtel ? Non. Eh, tu joues à quoi ? Amour Sucré. Amour Sucré, c'est quoi ça, Amour Sucré ? C'est quoi ça ? C'est un jeu, tu connais pas. Tu connais pas, t'es trop vieux, papa. C'est quoi ça, Amour Sucré ? C'est un jeu. Je connais pas HRP, hein. Tu connais ça, commandant, Amour Sucré ? Bah non. Non, je te jure, vraiment, je connais pas pour le coup. Vraiment, on est boomer. Comment ça, Sadi ? Non, rien. Moi, quand j'avais mon Nokia 3310, je jouais au Snake, d'accord ? Snake. Oui, c'est incroyable. Vous avez quel âge ?
37 ans. Ah. Oh là là. Comment ça le ah là là. Ah non, rien. Et donc tu joues à quoi? Comment ça s'appelle? Non, ouais, bon, okay, oh là là. Ça consiste en quoi? On t'écoute. C'est du coup, vu qu'on est des vieux machins, voilà. Tu te mets dans la peau d'une étudiante. Ok. Et après, tu dois choisir son parcours de vie. C'est un jeu japonais? Non. C'est coréen? Ouais, je crois. Là, je veux plus que tu joues à ça, je veux plus que tu joues à ça. Pourquoi? Des trucs des... C'est des dramas, dramas d'amour là? Jeux d'amour? Ouais. Non, 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 hey, commence pas, tu te rappelles que tu m'as promis quoi quand t'étais petite? Pas de non, bisous avant 56 jeu, ans. Oui mais bon, après ça va commencer à te donner envie de faire des bisous à des garçons. Non, pas... Bah, dans ce cas-là, je regarde plus de films. Bah oui, oui. Je sais pas, c'est normal, je joue à WoW. Ça existe encore WoW? Quoi, mais non. World of Warcraft. Ou Age of Empire. Ah ça c'est bien ça, oui ça je conseille. Warcraft 3 Frozen Throne. Voilà. Y a aucune dame. Bienvenue à la maison. Ah c'est ici que t'habites? Ah oui, t'as pris... ah, oui. Ah, mais c'est ma maison mais personne le sait mon commandant. Là tu pourras faire du vélo si t'as dit, t'as vu y'a un vélo devant. Bon y'a la roue qui est un peu cassée quoi mais bon voilà, c'est un endroit pour se suicider pas pour habiter. Non. C'est pas que j'ai eu des mains aussi. Bon. Non. C'est sûr. Non. On l'appelle. Tu te rappelles papa quand je me suis caché ici un jour? Bah oui, je me rappelle bien sûr. Sur le on habite dans la maison là-bas. Tu te rappelles? Ouais. Regarde la vue comme elle est belle. J'ai Glowdown. J'ai Glowdown, mais non, c'est un endroit symbolique pour moi. J'aime bien cette maison. Pour information de la HRD, on est arrivé sur la position au niveau de l'aéroport Saint-Déchor. Ben c'est un endroit où il s'est passé beaucoup de choses importantes pour moi. Oui, ça je confirme. Ouais. T'as eu ta première meuf ici? On peut dire ça, ouais, on peut dire ça. Ouais. Et t'as vu là, il y a un pneu, si jamais tu veux jouer dans l'arbre. Tu peux te mettre dans le pneu et faire de la balançoire. Faut pas tomber quoi. Ouais, faut pas tomber. Je faisais de la crosse au quartier, pas de pneus. Tu faisais de la crosse. Hein? Ouais. De la crossfit peut-être. Comment ça, de la crosse? Ouais, de la crosse. Du cross. Tu m'as monté sur un 450. Du cross, ouais. Tu faisais du cross. Ouais, de la bike. Ouais. Commandant, s'il vous plaît, je peux vous parler, commandant? Il va décharger le pirate. Oui, vas-y, il va décharger le pirate. Vous avez des enfants, vous? Bah oui. Et vous savez comment ça marche l'éducation ou pas? Bah moi j'ai toujours connu quand ils avaient 20 ans. Ah ouais putain merde c'est vrai ça. Bah oui. Et... attends mais c'est quoi le cross tout ça là? La cross plombs, c'est, quoi c'est la moto, la motocross. Ah ouais. Le séjour chez la grand-mère il c'est bien, enfin ouais. Ah il a mis le chien en coffre. Il a mis le chien en coffre. Je sais pas quoi faire moi je... Il est au courant pour les Nentas ici? Non, mais non. Ah, okay. Et pour Freya, tu lui as dit quoi? Qu'elle avait eu un cancer. En fait, j'ai pas voulu lui dire qu'elle s'est suicidée. Ah oui, oui. Scott. Okay. Bon, venez. Ah bah, je pense à la planche. Hein. Après, c'est l'adolescence, hein, faut y passer. Hein. Mais faut pas non plus que tu verrouilles tout, quoi. Faut que tu lui laisses un peu des portes ouvertes. Oui, mais des portes ouvertes, j'ai pas envie qu'elle finisse au quartier Ciblock avant du shit. Hein. Ah non, bah non. Sérieux quoi? T'as vu ça, pirate? Quand même, double pomme. N'importe quoi. Fais attention, il y a du verre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la bouteille de Sky dans l'escalier, papa? Des fois, j'aime bien m'asseoir ici, regarder la vue après mon service. On peut plus rien faire. Là, viens. Bah, il y a une différence entre regarder la vue et se mettre une rapta. Oui, bah, je suis seul, d'accord? Je suis seul. Voilà. Pourquoi pirate? Tu l'appelais pirate? Bienvenue à la maison. C'était ma nounou qui m'avait donné le nom quand j'étais petite. Ah d'accord, ok. Ah c'est bleu, waouh. Après si tu veux refaire la déco tu peux. En fait il y avait un mec qui habitait ici. Donc du coup il y a encore ses affaires, il faut pas les toucher. Mais voilà. Ça c'est... Eh c'est... Quoi? J'ai rien vu. Attends, t'as pas vu quoi?
J'ai rien vu. De quoi, de quoi de... Oh putain, oh merde. Oh, faut retirer ça. Poussez-vous. Non mais le mec, c'est pas moi qui ai fait la déco, hein. Ouais, ouais, c'est pas toi. T'es seul, hein, t'es seul. Ouais. Oui, des fois il est bien se poser devant la terrasse. Sur la terrasse, oui. Merde alors. Juge pas, je peux pas juger. J'arrive pas à le retirer, mon commandant. Il est trop gros. Oh merde. Aidez-moi par pitié. Mais regarde, regarde pas, regarde. En fait, il y avait quelqu'un qui habitait ici avant. Viens. D'accord. Donc voilà, là c'est, voilà, ben c'est ma chambre, je dors là. Mais c'est ta chambre. Je te la laisse si tu veux. Bah tu vas dormir où? Bah je vais dormir sur le canapé. Ou au poste. Bah non, tu vas pas me laisser toute seule dans cette maison quand même. Bah quoi, tu veux que je te prenne une nounou? Mais j'ai 14 ans, papa, tu peux pas me laisser toute seule. Bah non, mais vas-y, bah je rentrerai le soir à la maison alors. Oui. Ok. Ah, il y a une petite garde-robe. Regarde, il y a un petit ordinateur là, c'est là que je me pose des fois pour faire des trucs. Mais reste le gouverneur. Tu vois. Ok. Dites-moi. Une carte graphique là-dedans? D'accord. Non, c'est un MacBook. Ah. Mais tu peux jouer à Beau Hôtel. Bah, je vous appelle la pause. Ok, bah je vais aller alors. Et là, il y a une salle de bain. On y va aussi au cas où. On se revoit. T'as vu, il y a un jacuzzi. Pour envoyer la pause à nous et pas à vous. Il y a un petit poste si tu veux mettre de la musique. Parce que ça fait plusieurs fois qu'il y a notre temps de faire des choses. Voilà. Il est seul. Il est pas ben, pourquoi faire plus confiance à Nolan qu'à la police? Ah, c'est bizarre, hein. C'est vrai que pour le coup. T'es pas un de ses meilleurs amis, tu as dû le voir 3 fois dans ta vie. Ouais. Bon, bah, on se rejoint là-bas alors. T'as dû parler 2-3 fois d'enquête avec lui et ça fait de toi un meilleur ami? Il y a le backup 2 à côté de nous, bon courage. Cite-moi, quand t'es allé en soirée avec lui? Voilà, merci. Et vous êtes allé quoi alors, ami du boulot? Oh, on est en route, monsieur le gouverneur. Oui, désolé, excusez-moi. 03, on est en direction de l'unicorne. C'est sur la backup 2 là que nous a demandé le gouverneur. En gros, il y a 11. Au lieu d'appeler le SASP direct, il a appelé le gouverneur. Il veut dire, viens m'aider. Ok, ils sont où? La backup. Tu restes dans la voiture, hein. Tant que je t'ai pas trouvé de nounou, tu restes dans la voiture. Donc, ouais, vu que ça fait une heure qu'ils aient pris l'otage, il y a un monde où c'est un guet-apens. C'est 5-9 qui a fait une backup là dans le nord, hein. Vous êtes sûr c'est le même truc? Bah il m'a dit Superette à côté du goût. Ah oui c'est ça. Attends, il m'a partagé la pause. Ah oui c'est ça. Ok, je t'ai mis la pause exacte. J'ai vu qu'il a partagé la pause, ouais. Je sais pas pourquoi Yaki pourrait être bien comme nounou. Ah Yaki qui pourrait être bien comme nounou. Un nounou gars, un nounou qui fait garde du corps un petit peu. Nolan? Non mais Nolan il travaille et tout. Bah monsieur Anderson. Non mais Nolan, Anderson c'est... Ah, s'il te plaît. Ah ouais. Il est où? Retrouvé. Négatif. Attends, je t'en mets la pause exacte. Ah ben si elle travaille aussi, arrêtez d'être con. Je t'ai mis la pause exacte. C'est là. T'as dit, tu m'entends ça? T'as dit? Tu m'entends? Ouais. Si jamais il y a des gens qui arrivent, tu te couches sur la banquette, d'accord? Et tu te tais. Ok, ça marche. Et on fera le reste. Même si y a personne? Même si y a un mec qui met une arme sur la tempe et tu sors pas, tu bouges pas, tu dis rien. Ok. Appelle le gouverneur peut-être, non? Il m'a dit qu'il arrivait, il était en route aussi, vous. Allô? Ah, vous l'avez... ah, c'est bon, vous l'avez déjà récupéré? On va à l'hôpital Sandy Shore là, il est blessé. Ok, ça marche. Merci beaucoup. PDP. Mais il y a un truc de sécurité, non? Je sais pas du tout. Non, je crois pas. Hein. Il y avait un truc de sécurité à l'époque. Il y avait un nom, même ceux qui font les Brinks. Comment ils s'appellent, ça? Bah, c'est nous qui faisons les Brinks à l'époque. Mais non. Mais non. Mais non, mon commandant, vous avez 0 sur 20. Vous êtes trop con, mon commandant. Stage 6, non, c'est pas ça. Oui, c'est ça.
C'est ça, c'est pile ça. Groupe 6. Voilà, groupe 6. Et pourquoi je vois les blips? Attends, je vois des blips. Y'a un hôpital à Sandy Shore? Ben ouais. Ok. Ça va ramener réussite au NQS. Je regarde ma fille, mon gars. Toute la soirée, il va être derrière en costard. J'ai même pas gagné un hôpital. Ouais, c'est un petit. Ouais, il est joli. C'est traite sur place 114. Si on te demande, t'es là. T'es. Viens, t'es. T'es une meuf de l'hôpital psychiatrique que. Qu'on. Tu fais un stage chez nous. Ok. Bobby. Ok. Tu rentres sur la pause de la bagage. Tu t'appelles Émilie. Émilie. L'étage. On peut pas pour ce soir actuellement, on a du problème avec dans l'ampuv. Diego ? Ah, fille, d'accord. Ça fait une heure qu'on vous cherche. Donc faudra faire ça demain. Ça va ? Je vais me transmettre la pause, s'il vous plaît. J'ai vu mieux. Je vais vous l'envoyer sur place et je vous fais 2-3 petites photos si je veux. C'est une petite qu'on a en stage de 3ème avec nous. Okay. Stage de 3ème ? Oui, stage de 3ème. 117, fait une backup. C'est qui vous ? 10-4, je suis à 500 mètres. Amélie. Qui ça ? Emily. Qui c'est qui t'a pris en otage alors? C'est qui Emily? Emily, c'est une petite que. Je suis passé dans deux groupes différents. Fais un stage chez nous. Stage découverte. Et pour Emily, on va indiquer ses blocs face à moi. Eh ben, va découvrir un peu plus loin là. On parle de trucs secrets. Regarde, là, c'est le principe, c'est le principe qu'elle doit découvrir. Il y a de la pâte à modeler. Oui, mais là, c'est conversation secrète là. Mais elle a 14 ans, pâte à modeler, elle a pas 8 ans. C'était des hauts blocs. Ah non, mais là, c'est pas toute seule, on sait jamais. Imaginez, je pense. C'était des hauts blocs. Reste en vue là, mais ici là. Tu restes ici là où je suis. Tu vois, je te mets là où je suis. Qu'est-ce que vous en avez rien à foutre d'une fille en stage, vous? Bah non, mais parce que j'ai signé une convention de stage et tout, s'il arrive quelque chose, je vais être dans la merde. Ok, assis-toi comme une merde. Oui, assis-toi, ma petite. Assis-toi. Dépêche-toi là! Depuis quand je rêve des enfants en stage, nous. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Là où il y a la bataille. Je peux pas en parler. Je vais te mettre une gifle. Comment, monsieur le gouverneur? Dépêche-toi là, tu peux pas quoi? Je veux juste parler en cercle fermé, pour le favor. C'est fermé là! Oui, il est fermé! Ok. Oui, okay. Oui. Allez-y, crachez le morceau 11. Ces types qui m'ont pris en otage, ok, et ils m'ont fait cracher des infos sur les enquêtes sur lesquelles je menais moi, etc. On est arrivé sur les histoires de fausses plaques. Espèce de salope 11, hein, tu te fais kidnapper toi! C'est important. C'est pas moi qui conduisais. Tiens, la stagiaire doit m'apporter un café là. Oh, la stagiaire, un café pour le gouverneur, s'il te plaît. Quelqu'un a besoin de 10-35? Et du coup, ils m'ont demandé. Un café! Ouais. Après, c'est ma stagiaire à moi, c'est pas la vôtre. Hein. Oui, mais c'est la stagiaire des services publics. Et vous êtes les services publics et je suis le chef des services publics. D'accord. Et ils m'ont demandé si je connaissais des choses sur le gouvernement, etc. Je disais que c'est les FARC. Non, et ça, ils avaient pas d'accent, quoi que ce soit. Ah bah s'ils pas d'accent alors c'est pas les FARC s'ils avaient pas d'accent. Ne ressemblait pas à ce que j'ai pu voir de FARC. C'est quoi ça encore? Vas-y, continue. Et ils m'ont demandé si j'enquêtais sur vous, j'ai dit que non, je m'en tenais éloigné. Et désormais sur vous le gouvernement, j'ai donc une entièreté. Écoute, on se bat droit au but, je vous dis tout, monsieur le gouverneur. Et quoi? Et c'est quoi la finalité de tout ça? La finalité c'est qu'ils m'ont demandé si j'avais... quelqu'un en particulier au gouvernement vis-à-vis des fausses plaques. Et ils m'ont forcé à dire non, et j'avais pas le choix. J'ai dit. Attendez, je vais voir ce qu'a fait la petite. Nolan, j'ai parlé de toi, Nolan. Tout va bien? Ok, super. Ouais, ça va. Super. Non. Attends. Ah, c'est bon. Parfait. J'enquête sur les fausses plaques, y'a rien eu d'autre. Ils savent juste que Nolan a le nez là-dedans. Ils t'ont pris quoi comme véhicule là? Ah, vous buvez le café? Oui, bah donnez-le au commandant, il a fait une soirée. Impaler, c'est ça. Impaler et après. Et l'autre c'était. C'était quoi le deuxième? Le commandant a passé une dure soirée. Je suis désolé, Nolan, votre agent s'est fait prendre un buvé. Je suis désolé, Nolan, j'avais pas le choix.
Aïe aïe aïe. Bastien, hop hop hop, donne un commandant. Bonsoir, oui, blessé. Il y a trop de monde. Ah, elle est tombée. Fais-toi soigner, okay. Et on va se donner rendez-vous après. Mais tombée, mais va chercher un autre. Désolé, Nolan. Désolé, désolé. C'est pas grave. C'est quoi ce stagiaire qui se passe ou pas? J'ai pas le choix. C'est l'armement, ils avaient quoi comme armement? Arme de poing. Arme de poing, quoi? Glock, Beretta. Glock. 11 dans une chambre. Ouais, ouais, je suis. Ça va aller, 11, ça va aller, courage. Putain, j'ai cru que c'était un truc de fou, moi. En fait, c'est quelqu'un qui y a des smiles. Mais le Nolan, t'as pas enquêté sur quelqu'un qui faisait des smileys au bout d'un moment? Oh, vous êtes chauve et tout. Si, je suis dessus, mais putain. Ça fait un moment que je suis chauve, je me suis coupé les pointes. Les deux histoires, en fait, ils vont pas ensemble. Les smiles, c'est pas la même chose. Bon, je croyais que vous aviez un petit peu de cheveux, il me semblait. Bah, et les promotions sur Jojo Barber. Bizarre, quand même, le dessin peut correspondre. Oui, ça peut correspondre, effectivement. Mais normalement, c'est deux choses différentes. C'est pas censé être ensemble. On passe, capitaine, au niveau des rails. Aïe, aïe. Ok. C'est pour le gouffre, ça? Remonter par camp gitan. Non. Vas-y, bah, Au capitaine. Café. On se verra plus tard, hein, ça sert à rien. S'il vous plaît, mon café. Je l'ai fait tomber, le vôtre. J'avais dans les mains. Merci, je le prends. Non, je l'ai pas, tu l'as. Non, je l'ai pas. Je le bois à votre place. Ça va pas, vous êtes en train de vous adresser au gouverneur. Mais laisse tes mains, je vais te gifler, connasse. Mais c'est une enfant. C'est une enfant, du calme. Tu veux quoi, toi? C'est le gouverneur. Un enfant, ben on apprend la bonne éducation. Mais ils sont où tes parents? Non, mais tes parents sont inconscients. Alors tes parents t'ont laissé en stage avec Gris Kronos. Tes parents veulent ta mort. Ah, t'es stage avec le capitaine? Ah, bah ils ont eu raison alors. Capitaine, pourquoi c'est bon, baisse tes mains, baisse tes mains. Ben. C'est en fait, c'est imposé, c'est imposé par. Par la mairie. Mairie? 12 ans, elle a déjà des faux ongles et elle tout. Elle a 14, 14. Oh là là. Ouais. 14. Ça se voit, ça va terminer comme une pute. Non, je pense pas. Mais t'as sa tête, toi, le gajo, là? Bah non, mais attends. Le gajo? Alors, écoute. Mais c'est quoi ça? Écoute-toi, Tomb Raider, écoute-moi. Nolan! Ah, mais écoute, gros chaussures, s'il te plaît, tu vas pas commencer à me faire. Ok? C'est vrai, des chaussures. C'est toi qui as commencé à me faire. S'il te plaît, écoute. S'il te plaît, ça a coûté combien de tissus, là, les chaussures, là? Putain, mais vous prenez n'importe qui, mais ramenez-la avec Tyson, celle-là. Ah, il veut quoi, le gajo, elle a dit? Elle est où? Elle est où? J'ai fermé les yeux une seconde. Bon, je vous laisse, occupez-vous de 11. Ça va aller, d'accord? Sois forte. Sois de la gifler, papa. Bah, gifle-le. Non, c'est bizarre. Il était meuté par terre. Non, il est gentil, il a un bon fond. Non, la centrale, en gros, la centrale. La jambe là sur le mur, tu crois que t'es en stage où? Et normalement, du coup, nous on a suivi les rails. Allez, bonne soirée, Riz, si t'as besoin, je m'appelle. Ça marche, mon gouverneur. Plaisir, comme d'habitude. Au revoir. Bonne soirée, monsieur gouverneur. Allez, viens, viens, Emily. Oui, vous devez me parler, bien sûr. Allez, viens. On va marcher vers là-bas où il n'y a pas le commandant, comme ça on peut parler de trucs de fou. Ok. Hein? Non, en vrai, est-ce que tu pourrais m'avoir Billie Jean ou Choupette? Oui, bien sûr. Ce soir, là. Billie Jean. Ben, non, dans 6 mois, encore ce soir. Wake up. Ça, c'est une chose, ils sont aux aguets de fou. Ok. Billie Jean pour l'enquête avec Bella, appelle-toi, ouais. Ils m'ont cambriolé. Et Choupette, puis je dois lui parler. Ok. Par contre, lui, là, le show avec ses binocles, il peut dégager ou pas? Nolan aussi, s'il vous plaît, faut que je vous parle en privé. Mais t'as pété les plans, 113. Faut que je parle en privé. Mais on doit parler de trucs. Non mais nickel, Nolan Price. Hein. Non mais c'est super. Hein. Non mais Nolan Price, mais je suis pété un câble. Comment venez voir. Toujours, 113, bon, si, il est beau, 113. T'entends, Nolan. Ah merde, pardon. La stagiaire, là. Oui. C'est ma fille. Ça dit. Non. Si. Tu donnes quoi à manger? Y'a avec ça. Sors. Sors. Je vous jure, y'a avec ça. Elle ressemble du tout à ta mère. Arrêtez comme ça. C'est super gênant. Je t'ai vu quand t'étais encore. Mais elle a un strabisme. Mais arrêtez. Attends, mais regarde ton père. Non. Regarde-moi ma fille. Mais attends, mais il y avait vraiment que ça. Oui, bon, écoutez. Regarde ton père. Non. Arrêtez la pauvre, arrêtez, elle a 14 ans, c'est une enfant. Arrêtez, c'est super gênant.
Mais super gênant de quoi? Je t'ai vu sortir de la foufoune de ta mère. Mais quoi? Je veux pas le dire comme... Mais bordel, un peu de tact. Oui, bah j'étais là quand... quand elle est née, je l'ai vue dans... Voilà. Ouais. Ouais, mais j'ai grandi maintenant. Ah là, ça y est, madame est devenue une femme. Non, ouais. Elle a 14 ans. Non, pas une femme, mais... Ah, parce que à 14 ans, c'est une femme déjà. Bah non, c'est encore... Non. Quand c'est prépubère. Et quand ça devient une femme? C'est quand la puberté? À 50. À 50? Oui, voilà, bonne réponse, pas Fifi. Tape-moi 5, tape-moi 5, tape-moi 5, tape-moi 5. Là! Bien vu, le paps. Bien vu la Fifi, bien vu la Fifi. Bien vu le paps. Oh là là, j'ai rien vu de plus gênant que ça. Bien vu le paps. Excuse-nous la boomer. Le paps. Putain, qu'est-ce que t'es connu? Mais bon, vas-y. Ça y est, c'est devenu une rebelle. Ouais, c'est la puberté, hein. Et du coup, ben, fais quoi là? Ben là, ben, je sais pas, je vais lui chercher un quart du corps, je crois. Oui, parce que là, avec les FARC, ils veulent le tuer. Mais ce Lenny en question, il est plus là? Ouais, il est où Lenny? Il m'a jamais redonné de nouvelles. Ouais, ouais, oui, il a jamais donné de nouvelles. En gros, Lenny, il a trouvé un mec, il a refait sa vie. Oh. Quoi? Et pourquoi il donne plus de nouvelles? Parce que c'était vraiment le meilleur ami de sa vie, elle l'aimait trop. Non, parce que c'était comme son frère. Il est parti vivre en Corée du Nord. En Corée du Nord? Il a le droit. Parce que c'est vraiment le meilleur ami de sa vie, vraiment. Oui, bah, comme... il est parti vivre en Corée du Nord. Comme chien et chat. Et pourquoi il m'a jamais redonné de nouvelles? Ouais, pourquoi? Je comprends pas. Parce que pour toi, t'étais qu'un travail, quoi. T'es babysitter. Mais quoi? Ça choque tout le monde? Oui, t'étais qu'un travail pour lui. Ouais. Ouais. Ça doit être ça. Voilà. Voilà, bah, c'est ça de donner sa confiance. Aux gens, ouais. La confiance emmène à maintenant de la méfiance. Ouais, j'avais... Pourquoi on va pas à l'université celle-là? Ben elle est fermée l'université, non? Là, elle va bientôt reprendre, ils cherchent des enseignants. Ah ouais? Ouais. Ben go. C'est vous et le gouverneur? Si tu n'as pas de bonnes notes là, et abaisse-la vite. Mais ouais, il y a plus de respect. Voilà. C'est quoi cette... Ça te fait rire, c'est quoi cette éducation? Tape mon 5, ma Fifi, tape mon 5, tape mon 5, tape mon... Et paf! Voilà, ma Fifi. Allô? Toupou. Oui. Si tu ramènes pas des bonnes notes, je veux que tu passes ton permis bientôt. Tu ramènes des bonnes notes, et je veux que t'aies un diplôme. Elle a 14 ans, comment le permis? Oui, bah dans 2 ans. C'est dans pas longtemps, bah, finalement. C'est dans longtemps? Oui, enfin oui, oui, c'est vrai. Attends, donc... En un mois, elle a pris 14 ans et genre 2 ans, c'est choquant. C'est bon, c'est bon. Donc tu vas passer ton permis. Je veux que tu ramènes des bonnes notes. Sinon, parce que tu sais que quelqu'un ne va pas être content. Tu vas m'expulser du territoire? Pourquoi je fais ça? Je sais pas, t'es gouverneur. T'es capable, non? Toupou, je suis ton protecteur. T'as oublié tous les moments qu'on a pas ensemble, ça y est, t'es allé à Marseille, ça y est. Ça fait tellement longtemps, je me rappelle plus. Ah, moi, je me rappelle, c'est toujours dans mon cœur. T'as oublié ton parrain? Ah, c'est parce que ah oui, c'est vrai, t'es mon parrain. Ah, ouais, ouais. Ah oui, mais elle était petite aussi, elle était petite. Pour l'argent, les cadeaux, t'as oublié tout ce que je t'ai offert, les voitures, la petite moto. Non, mais c'est pas grave. Oui, mais elle était petite, faut pas lui en vouloir. Je me rappelle pas, papa. Vous aussi, quand vous avez 14 ans, il y avait pas des vieux fous, ils venaient vous voir, ils vous disaient, je te rappelle de moi, vous vous rappeliez pas? Non, personne m'a donné des voitures, des motos, de l'argent. Et a pris soin de moi, non, personne. Atterrissage. Moi, si j'avais été là, je l'aurais fait pour vous, mon gouverneur. Mais tu n'étais pas là. 4. Ah. Ouais. Ça, c'est vrai, ça. Ouais. Bah écoute. Un chien, il vous mord après. Voilà, hein. J'ai pas quoi faire de toi, moi. Hey, mon gouverneur. Y'a pas des services de protection? Et y'a surtout, on est en planque en train de suivre une voiture, discrètement. À gauche ou à la gauche? Là, 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 le véhicule ici, là. Ah, on va changer de radio. Quartier Mara. 4, c'est bien reçu. J'y vais. 27 de 18? Oui, j'écoute, hein. Vous avez toujours besoin de moi ou c'est ok? Sors! Oh non! C'est juste un problème, après, voilà, voilà. Vraiment, c'est pas problématique. Ça va? Lol. Ça va? Super, et vous? Super, et vous? C'est vous, Hermano? Ça va. Ça va, ça va. C'est pas Hermano lui, c'est sûrement pas Hermano lui. C'est sûrement pas. Qu'est-ce que tu as toi? Je t'en veux. T'es qui? Je suis un marin, moi, voilà. Bonne soirée à tous.
Des fois, tu viens, tu crois chez toi, zone 2 d'endroit, tu viens, contrôle comme si t'étais chez ta mère, là. C'est une dinguerie. Ok. Bon, écoutez, là, j'ai pas envie, tu vois, là, mes habits sont propres, j'ai pas envie de mettre du sang dans mes sables. Allez, hop. Du coup, je vais faire demi-tour. C'est bon ? Ouais, j'imagine que si je te pète le nez, ça va saigner. Oui, voilà, si je prends ta tête et je la mets dans le cul de ton pote, ça va saigner aussi. Ah, bah, les hémorroïdes, évidemment, tu te doutes bien. Bon, bonne soirée, monsieur. T'as rasé ton crâne ? Tu t'y connais bien. Oui, j'ai rasé mon crâne. Vas-y, bisous. Je vais à Dinglewood, moi. On vient des barrios Vagos. North Singlewood. Au revoir tard, madame. Au revoir rare. Au revoir. Allez, nous, on reprend ce. Bon, je vais chercher qui vous savez. Ok. Attends. Oh vous avez pas des gardes du corps? Non, mais je peux en trouver un. Moi, j'aimerais bien un garde du corps pour Sadie, en fait. Comme ça, au moins, elle est jamais toute seule. Hein. Toujours un garde du corps oui, avec mais... elle. Il va me donner beaucoup d'argent, un garde du corps qui va rester avec elle. Bah c'est bon, j'ai beaucoup d'argent, c'est pas un problème. Genre, c'est vers 500 000 à l'année. Oui, d'accord, allez, c'est bon, je vais me débrouiller tout ça, je vais prendre un SDF. Il est richissime, le mec est riche. T'inquiète, tu chercheras demain, papa. Attention, je vais juste dormir là. Ah ouais, tu vas dormir là? Bah oui, vous avez des trucs à faire et puis avec le. Bah oui, des trucs à faire, mais bon, si jamais l'avion et tout. Tu veux que je te le truc pour demain, le garde du corps? Ouais, on le cherchera demain. Vas-y, c'est bon. Vas-y, ce que tu voudras, tu l'obtiendras car tu es la reine de ce monde. Mais c'est bien reçu là. D'accord? Bien sûr, oui, bien sûr. Des gens qui vont tuer, faut se réveiller par contre. Hein. Du coup, j'aurais besoin de. Ouais, je te pose un truc. Quoi? Tu sais que je peux tout me dire, tu le sais, hein. Capitaine. Commandant. Oui? Prenez mes AirPods. Il y a du NAPS sur la playlist. Faites vous kiffer. Ok. Le problème, nous, en fait, on est juste à côté, on peut se rendre. Okay. Le problème papa du parking oui rouge, c'est qu'en fait t'as pas de vision dessus. T'as repêché depuis mon nom? Mais non. Genre jamais personne. Non, jamais. Jamais. Ouais, faille joli ou un truc comme ça. Je te crois pas. Non, je te jure. Non, je te jure. 85, vous êtes en charge de l'opération. Fait que t'as un petit signal pour payer. Mais ils sont à balle. T'aurais... Nique sa mère les gens qui dorment. T'aurais voulu que je pêche au? Bah non. Mais tu sais qu'un jour, peut-être que je devrais refaire ma vie. J'ai pas envie que tu sois pas heureux, tu sois malheureux, genre, tout seul. Ah, je sais, mais non, mais en gros, je me ferme pas la porte. Au début, je me la fermais. Ouais. Mais je pense que ça arrivera jamais. Pourquoi? Parce que. Je sais pas. D'accord. Tu sais, ta mère, je l'aimais beaucoup, hein. Je sais, c'était l'amour de ta vie, non? Bah ouais. Et maintenant, j'ai plus que toi. Bah, c'est déjà bien, non? Bah oui, c'est bien. Non, mais c'est très bien. Oui, c'est très très bien. J'aurais pu rien avoir. J'ai ouais toi. Mais... le jour où t'as une meuf... Me le dis pas maintenant, ok? Oui. Je suis pas encore prête. D'accord. Et toi, le jour où tu fais une bêtise, tu me le dis. Parce que je t'explique. Ok. Si tu fais une bêtise, je pourrais t'aider. Si jamais tu me le mens, je pourrais pas t'aider. Vaut mieux que tu m'affrontes moi, plutôt que t'affrontes les vrais problèmes de la vie. Bon, mais j'ai fumé une chicha derrière l'idole du quartier avec mes potes. D'accord, c'est pas bien, tu refais plus jamais ça de ta vie, d'accord? Ouais, ok. De toute façon, y'a pas de l'idole ici. Non, y'a pas de l'idole ici. Y'a des Walmart. Ouais. Bon, allez, bonne nuit ma fifi. Bonne nuit, à demain. Récupère tes AirPods. Capitaine, je les prête jusqu'à demain parce que je crois que vous aimez bien. Peut-être on va se hein. Je vous les prête. De qui? Ah, les AirPods. Ok. Ouais. Ok. Allez. Okay. Prends les clés, elles sont cachées sous le paillasson. Oui. Ça a été? Bah oui, ça va. Elle m'a demandé si jamais j'avais eu d'autres femmes. Parfait. C'est le cas? Non. La petite dentiste, je pense que ça t'intéresse. Non. Ouais. Non, elle m'intéresse pas. Moi, y'a pas de femme qui m'intéresse, hein. Allô, 22. Ah. En parlant du loup. Ouf, là, moi, je suis parti de son chambre. Oui. En gros, il s'est fait prendre en otage et ils lui ont posé des questions par rapport à son... Aïe, capitaine. Au commandant, aïe. Eh oh, ça fait mal, là. Ah, vous l'ortez. Ah, 22. Et du coup, ils lui ont demandé des comment ça s'appelle? Des infos sur le goût. Ris ce bobo à lui-même. Ris ce moment à lui-même. Ok, ça marche. Mais voilà. Il va comment lui? Bon, il va bien, hein, c'est un vieux débris. Hein.
Ok, ok, ça marche. Ce moment. Ouais, il était à l'hôpital de Saint-Dichon, ouais. Je crois qu'il est reparti avec cette 4. Oui, oui, il est reparti, ouais. Ok, ça marche. Ok, ok, impec. Voilà. Moi, je te tiens au jus, il y en a d'autres infos. Yes, ça marche, mais concrètement, on en sait plus sur ce truc de fausse plaque, là. Bah, moi, je sais pas, non, j'ai pas mis mon nez dedans, pour le coup. Ok. Faudrait voir avec Nolan, je crois que c'est lui qui gère ce chose. Cette chose-là. Ok, ça marche. Hein. Ok, ok, mais ok, ça marche. Vas-y. Je m'en occupe, merci. Vas-y, ça marche, à tout à l'heure. Bon, on va essayer de capturer Choupété et Berry Jeez. C'est des pointés. Choupété ? Bah, Choupété, c'est le chef des pointés. Et quand il est bourré, ce qu'il dit Choupété. Tu es là ou pas ? Non. D'accord. Allons-y. Et pourquoi on doit les choper ? Bah, le gouverneur, il m'a demandé. D'accord. Hop là ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ah, je fais mal. Et Berry Jeez en plus lui Ah putain, Berry Jeez, j'ai un truc avec lui là. Par rapport au FARC. Mais là si on les arrête, on a pas de mandat contre eux. Non, on va juste les arrêter. Et après on les donne au gouv. En gros c'est un petit peu ça mes soirées des fois entre eux. En fait entre le... Je fais ça entre le boulot de keuf et voilà hein, des fois. Ouais mais j'imagine le gouv il se sert de toi là. En mission et un jour il te baise. Bah où est-ce que vous voulez en venir? Bah, moi je me dis, Riz il a tout perdu. Ce qui est malheureusement ce qui est vrai, j'en suis désolé. Tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Et t'as plus rien à perdre en soi, à part ta fille maintenant, mais si tu l'as mis en sécurité, c'est bon. Oui. Et bah du coup, tu vois, t'es un peu. Enfin, un gros chien de garde, quoi. Il peut t'envoyer partout, t'iras, quoi. Oui. Faut faire attention, qu'il ne soit pas tombé dans la merde. Quoi. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Oui. Et c'est pour ça que moi, si un jour on me dit, je ne veux pas voir cette mission. Ouais, 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 ouais. Bah non, ils ont le pont, moi j'ai mes couilles. Parfait, parfait. Bonsoir, SASP. Qu'est-ce qui se passe ici là? Rien encore de ça. C'est exactement la question qu'on allait vous poser. Vas-y, remonte avec ton pompon, Riz, monte. Suivez-le, suivez-le. Est-ce que ici, monsieur Lam? Eh bah, ok, mais j'ai pas de pompe. Je rentre? Vas-y, oui, il y a la cible dedans. Il y en a un là-dedans. Oui, c'est la cible. Attendez, mais quoi, je là-bas? Non, mais il est armé, il est rentré, il est armé, donc je sais pas ce qu'il en est. Ok, monsieur, est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vois quelque chose? Rien du tout. Non, mais j'ai déjà eu une confrontation comme ça hier, ça me suffit, hein. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez, monsieur, vous pouvez vous rendre dans la joie et la bonne humeur ou par avec la force et le sang. Fermez ici. Ça sera soit la joie et la bonne humeur, soit le sang et la force, monsieur. Où est-ce que vous êtes? Ah bah y a personne ici, hein. Pour des clips, j'imagine. Allez, sortez de là, dépêchez-vous là. C'est un cul-de-sac de merde. Oh, il était là ? Ok. Berigi, je m'appelle. On m'appelle comme ça ici. Super ! J'ai pas. Je me note ? La cible. Ouais, mais notez-le, j'arrive pas. Ok, je m'en occupe. Je suis en train de te porter, Berry Jeez. Ah, mais attendez, on peut pas sortir comme ça, les autres ils vont nous péter les couilles là. Qui les autres? Dehors, ça va faire. Ils vont faire une émeute ou quoi? Ah, ils vont rien faire, c'est salope ce quartier. On est venu tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure on était déjà là, on les a tous arrêtés une fois, mais il était pas là lui. Je le mets dans votre voiture? On va au même endroit de toute façon. Ok. Moi c'est moi, c'est Vago. Vago. C'est ça. Je vous vite fait et puis après on part, ok? Après on vous laisse. J'ai envie de parler avec vous. Mais j'aimerais juste savoir vous embarquez qui là? Je sais pas. Parce que moi je sais très bien c'est qui, j'aime pas du tout la personne que t'es en train d'embarquer là. Ouais, moi non plus je n'aime pas. Ok, monte dans la voiture. Attendez mais... Qu'est-ce qui se passe? C'est dinguerie là ce que vous êtes en train de faire. Il faut que tu montes dans la voiture pour toi même là. Il a 43 ans. Et hop.
Ouais, ouais, il peut, bien sûr, il peut. Monte dans la voiture. Oh. 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 Et les droits de l'homme, oh. Lui, la cagoule quand même. Oh. Plus oh. Stylé, là. Oh. Ça pue oh. Ici déjà. Oh. 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 Ouais, c'est pas grave, oh. On verra ça après. Oh. Il est là, il est pas là. Je sais pas. Oh. 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 Mais lui, sa cagoule là. C'est pas un chien. Hein. Il est là ou il est pas là? Attends, je joue streamhack. Ah, j'ai pas vu. J'ai fait crash. Et dans l'homme, mais c'est n'importe quoi ça. Excusez-moi, non mais faites pas non plus les Calimero, je crois que vous êtes dans votre quartier. Oh, tu m'entends? S'il vous plaît. Madame, si vous continuez à faire la Calimero, on va... Si, c'est bon. Monte dans la voiture. Ah là, ça va tout de suite mieux, hein. Je vous rappelle que vous avez braqué des personnes. Vous pouvez changer mon arme contre l'homme. Vous êtes qui? Vous êtes qui, oui. On est la loi, contrairement à vous. Donc la loi. On est sur le départ, monsieur. Bien sûr la loi, bien sûr la loi. C'est une dictature ou une démocratie? Non, on peut y aller, on peut y aller. Gens, on oui. Peut y aller. On se rejoint comme d'hab. Vous êtes des meurtriers. Comme d'hab, ça dépend, il y a plusieurs comme d'hab. Les rois de putain. Attends, viens. Oui. Envoyez-moi un message. Oui. Dans quelle merde tu t'es foutu, Berry Jeez, encore? Je sais pas, hein. Berry Jeez, c'est ça que vous vous appelez, monsieur? Non, Berry Jeez, y'a pas de Jeez là. Tu sens ça. Les Bee Jeez? Je vais comprendre. Oui, c'est ça, c'est Bee Jeez. Rigole pas, rigole pas. Non, dans quelle merde tu t'es embarqué? On est occupé, on a une énorme prise d'otage au niveau. Écoute, j'en sais rien. Aucune, on va pas en parler. On a pas besoin du 35. Où ça, la prise d'otage? Sur usine de poulet, Paléto. On a pas besoin du 35. Qui est 10-4? Une prise d'otage? Ah, fais chier les gars, fais chier, putain, dommage hein. Non, ils ont dit ils ont pas besoin de 10-35. Oui. La cagoule, on lui laisse. Ouais, on lui laisse la cagoule. Ouais, ouais. Le tunnel à côté de... Comment vous expliquez? Au-dessus de Stop City. Vous avez des rails qui mènent à un tunnel là-bas. On est arrivé là. Attendez, parce que j'ose pas... Stop City. J'ose pas dire à votre... Essayez de m'envoyer la position au pire. Ok. Ouais, je veux pas dire. Bienvenue dans mon monde, mon commandant. Ouais. Je vous surveille, Ulysse. Mais je fais rien dehors la loi. Ok. C'est juste, voilà, bah, des fois je suis missionné. Du coup, je fais. Et monsieur derrière là, Berry Jeez. Vous avez fait quoi pour que la justice veuille vous attraper? Bah franchement aucune idée hein, déjà je suis en conditionnel donc ça m'a suffi hein. Oh déjà aucune idée, je suis en conditionnel, je te mets des tartes dans la tête, arrête de faire l'innocent Berry Jeez, tu vas mourir aujourd'hui. Je suis innocent de rien du tout toi. Aujourd'hui tu vas mourir Berry Jeez, aujourd'hui c'est ton dernier jour. C'est ton dernier jour sur terre Berry Jeez. Si j'ai traité avec les mauvaises personnes, j'ai traité avec les mauvaises personnes mais... Franchement ça m'étonnerait hein. T'as traité avec les mauvaises personnes. Bah j'espère pas. Tu vas finir comme Bella, tu te rappelles de Bella? Tu te rappelles d'elle ou pas? C'est vous? T'as des nouvelles d'elle ou pas? Non. Non j'ai pas dit que c'était moi, c'est pas moi. Bah, je sais pas, tu me parles de Bella, y'a personne qui est au courant. Si, si, moi je sais. À part le barrio. Moi je suis au courant. Ah ouais? Je suis au courant parce que je suis un keuf qui enquête. Ouais, un keuf qui enquête, ouais. T'enquêtes sur les mecs avec un gilet, avec un crâne blanc, avec des M4? Non, j'enquête pas sur eux. M4 de. Hein? M4 militaire? M4 militaire. Ah ouais? Ouais, ça s'obtient comme ça une M4? Non, mais attendez. En tout cas, on a affaire à des gros poissons, hein. Le truc de crâne, ça faut pas enquêter là-dessus, ni toi ni moi peut enquêter là-dessus mon vieux. C'est des choses qui nous dépassent. Et par contre moi, les parcs. À savoir plus loin, moi je reste dans mon barrio. Et les mecs entre militaires avec des caps sur la tête là. Verte, hein ouais. Ça te dit rien ça? Si bien sûr, je les connais, j'en ai entendu parler, ils sont partout à la télé. Et tu bosses pas avec eux toi? Eh ben je répondrai à tes questions quand je serai convié à répondre. Et s'il te plaît, regarde, Berry Jeez, fais bien attention aux réponses que tu vas donner. T'inquiète pas, seigneur. Attends, mais ouais, mais c'est pas par là que j'ai accès au tunnel, moi. Ah si, ah si. Parce que une mauvaise réponse, Berry Jeez, hein. T'inquiète pas. Je reste à ma place de gangster, moi. C'est bien. Vas-y, tu peux descendre du véhicule. Là.
Ça va mieux? Ça va mieux? C'est muy bien. J'ai connu meilleure position, mais bon. Oui. Allez, mets-toi contre le mur, bouge pas. Vous pouvez descendre, hein? On arrive, c'est ici, mais on va rester ici quand même. Comment? Si le train y passe, comment on fait? Bon, y'a plus de train depuis longtemps, hein. Oh, d'ailleurs, c'est chiant qu'il y ait pas de train. Ouais, ça marche pas. Sinon, je transférerai ma coque là-dessus. Hein. Ouais, c'est vrai, il y a eu un blanc dans le chat. Oh, parlez, réveillez-vous là, réveillez la gueule. Réveillez la gueule ou je cut? Non, vous allez rien faire du tout, monsieur. Oh, je te jure, je fais des gens. Mais bon, t'as pas les preuves. Ah, parce que je les cherche pas non plus, je pense. C'est pour ça, chacun reste à sa place. Hein. C'est très bien que moi, mon business, il te fait gagner de la plata. Vas-y, arrange-moi ce nom de famille de merde. Oh là là, des steaks Wagyu, ça a l'air trop bon. Oh, t'as acheté ça où? Je sais pas, on me l'a donné. Ah si, au Koi. Ça m'a donné trop faim. Vous en voulez un peu, mon commandant? T'es marrant. Non, merci, non, c'est bon. On va tout manger. C'est donc ça, ton insolence, toi? Moi? Ouais. Et moi, je suis pas aussi insolent que tu pourrais le penser. Moi, je suis juste, hein. Ah, t'es juste, ouais. C'est vrai que c'est des méthodes, ça. Non, mais parce qu'en fait, j'ai une réputation de méchant. Mais en fait, je suis pas méchant gratuitement. Moi, genre, en gros, là, tu vois, je suis calme. Et je veux que tu retiennes le moment où je suis calme. Mais quand tu vas commencer à mentir et donner mauvaises réponses, bah là, je vais devenir méchant. En gros, après, si tu t'énerves quand je dis la vérité et que tu penses que c'est un mensonge. Parce que là, je pense que tu t'attaques à la mauvaise personne. Hein. Je sors de prison depuis à peine 2 mois et j'ai pas autant d'informations que tu penses. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je suis méchant, mais ça dépend avec qui, tu vois. Toi, ça se voit que t'es un petit con. Surtout que moi, je suis pas le cerveau. Je suis pas le cerveau de la pointée. Oh, t'inquiète pas, je m'en doute. Mais bon, toi, t'es le méchant de la pointée. Moi, j'exécute, comme dit. Oui, mais t'es aussi le méchant de la pointée. 4, 7 et 9, ça, oubliez pas les gars, Job Life Serial, ça demain à 18h les gars, playoff, demi-finale, playoff les mecs. Demain à 18h, vous avez intérêt à être là ou je cut après. Je vous parlais que comme ça maintenant. 4, 7, 9 les frères, 4, 7, 9, 18h. On attend. On attend les mecs. T'as besoin de collègues? Non mais c'est que c'est pas moi directement qui t'en veut. Hein. Pour l'instant, ouais. Comme je te dis, on t'attend pas à trouver une mine d'informations. Je crois que ces gens-là, ils savent pas que ça va venir taper les plus faibles. Hein, les FARC et tout, là, qui bossent avec des gens. Oui, je suis dans le tunnel. Hein. Oui, on arrive, on est à côté, bien. Mais il y avait une voiture qui suivait, donc on regarde, elle est partie. Ça va, marche. En fait, vous avez travaillé avec les FARC, monsieur? Oui, il a travaillé avec les FARC. Oh là là. Ouais, c'est ça le problème. C'est de votre vie, là. Ouais. Je vais te dire, parce que tu dis oui, les FARC. Je bosse pas avec les FARC quand je bosse pour la Plata, moi. Oui, mais t'as bossé pour la Plata avec les FARC, du coup. Mais le problème, c'est que ouais. Vu que, étant donné que t'as fait ça, tu t'es embarqué dans un terrain un petit peu bourbier, tu vois, puisque là, on parle de complicité terroriste. C'est bien ça le problème, moi. C'est pour ça que moi, ces mecs-là, plus ils sont loin de moi, mieux c'est. Hein. Ah, c'est facile de dire qu'ils sont plus ils sont loin de moi, mieux c'est quand ils sont morts, quoi. Ah bon, ils sont morts. Ouais, ils sont morts. Pas sûr de ça. Moi. Mon cher Billie Jean. Allez, bonne chance. Oublie pas ce que je t'ai dit. C'est vrai qu'il y a des gens dans la rue qui meurent hein, pour écorcher mon blason. Oui, ben. Parce que différemment au vôtre, il y a une signification. J'ai rien à foutre de ton blason. Oui, Billie Jean. Parce que gouverneur, hein, ça a pas de signification pour vous, apparemment. Oui, comme toi, ça a pas de signification, du coup, gouverneur. Bonne transition. C'est-à-dire? Je sais pas, je te laisse t'expliquer. Pour ça, de l'honnêteté. Sachez une chose, moi, je suis quelqu'un, je sors de prison, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Dès qu'on met de la plata devant moi, je suis prêt à même tuer ta mère, tu vois. Oui, c'est bien. Voilà. Gangster, après, vous assumez pas. Donc, qu'est-ce qui pourrait t'emmener ici? Pas grand-chose, hein, mais il y a quelque chose, il y a quelques trucs qui pourraient. Vous êtes dans la balance, hein. Quelque chose qui pourrait t'emmener ici par rapport au gouverneur? Bah surtout étant donné que Bella a disparu, j'imagine que vous y êtes pas pour rien. Bon, nous on te pose des questions par rapport à toi, on est là pour toi, pas pour Bella. Qu'est-ce qui t'aurait pu t'emmener ici que les forces de l'ordre viennent te chercher chez toi et rentrent dans ta maison? Le fait qu'il y ait pu avoir de la collaboration avec les FARC. Bon, peut-être que vous assumez la complicité de terrorisme. Non, bien sûr que non. Mais... Vous croyez vraiment que moi je fais partie des mecs cagoulés avec des AK-47 et que vous allez me choper aussi facilement?
Moi, je suis un pauvre type dans son barrio avec un Glock qui est prêt à tuer pour un terrain de drogue. Ça, il va falloir ouais, que ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que t'as travaillé avec les femmes. C'est pour ma protection. Aussi. Parce que je pense que vous voyez le mal qu'ils vous font. Bah, nous, on n'est pas vous. Donc, parfois, on aligne de la plata. On préfère prendre de la plata et agir pour des gens plutôt que de se mettre des mécados qui sont un peu chauds. Donc, t'estimes que les phares sont plus chauds que nous? J'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que c'était. Dans le monde des gangsters, en tout cas, c'est. Je veux bien aller chercher, mais bon, s'il est même pas là. On veut pas les avoir. Mais qui pèse quoi, imbécile? Vous voyez bien comment ils sont armés. Vous savez, moi je regarde les journaux, je regarde la télé, je vous vois avec vos armes. Vous avez vu les processus que vous mettez pour eux, les dispositions que vous prenez, des hélicoptères, des avions, mais non, mais armés, des, boys, trop des armes automatiques. Mais c'est des terroristes. Jusqu'à me chercher, jusqu'à chez moi. Donc mais vous croyez vraiment que c'est bon, les amis. Tu as un indice dans ta réponse. Chercher jusqu'à chez toi. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Eh ben, rien de spécial, dites-moi. C'est à toi de me dire, c'est à toi d'être honnête pour que je sois gentil. Honnêtement, la seule chose que vous pourriez me reprocher, c'est une seule et unique. Quoi? Un cambriolage. Ah, peut-être qu'on y vient. C'est la seule chose que j'aurais pu faire. Anti-gouv, anti-poyos. Parce que, vous pouvez demander à Madame Miller, j'essaie de me remettre dans le droit chemin. J'ai essayé de faire une cure de désintox, ça n'a pas marché. J'essaie de me remettre dans le droit chemin, je suis toujours en sursis. Il est tout seul quoi, si je marche bien. Fais attention à mes actions. Donc toi, du coup, tu t'es dit, allons cambrioler le gouverneur. Une planque du gouverneur, allons-y. C'est pas comme ça que ça m'a été présenté déjà. Mais je me suis rendu compte de ça à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, tu t'es pas dit je dois partir. Au lieu de faire ce qu'on t'a demandé. Et si je sors, je meurs. Donc je fais quoi? Et si vous entrez, vous mourrez aussi. Je sais. Donc voilà. Et quoi? Maintenant on vous tue. Non, après, vous savez très bien que nous, on est juste venu faire du repérage. Non, t'es rentré dans une planque gouvernementale. Avec un outil. T'as pris des photos. Avec un outil de crochetage, t'as pris des photos et tu les as données à des phares. Et t'as fait un schéma. Ouais. C'est pas moi, ça, qui fait des schémas. Et c'est qui alors? Ben, vous allez me dire que c'est ridicule. Peu importe, mais c'est pas ça le plus grave, en tous les cas. C'est Bella. Dans tous les cas, Bella qui a pris des photos. Sachez que moi, j'ai fait une seule chose. Bella a pris des photos et a fait les plans. Moi, j'ai regardé le contenu des vestiaires. J'ai essayé d'ouvrir des portes. J'ai essayé de trouver des planques. Et tu t'es pas dit qu'entrer dans une planque gouvernementale comme ça, ça allait peut-être te. C'était pas une planque gouvernementale à ce moment-là. Allez, sur le lavabo. Comment ça m'a été présenté? Mais une fois que t'es dedans, tu vois bien le logo grand. T'as vu, quand tu rentres, c'est qu'un seul logo. Et c'est bien ça le problème. Et vous pensez que faire demi-tour, ça aurait changé quelque chose? Bah, tout, oui. Ah oui? Parce que là, tu nous dis que t'as fait cambriolage jusqu'au bout. Alors que si tu me dis, je suis rentré, pardon, monsieur le gouverneur, j'ai vu que c'était chez vous, je suis direct sorti, j'ai rien regardé. Et ça change dans la balance. Si j'étais dans une flica et que je voyais le coffre un peu trop rempli et que je voyais que ça allait partir en couille, je n'aurais pas fait demi-tour. Une flica, tu gagnes de l'argent. Je me suis fait avoir. Dans une planque gouvernementale, tu gagnes la mort. Je sais bien, mais je jusqu'à preuve du contraire, eux avaient connaissance de l'endroit, ils auraient pu y aller eux-mêmes. Ils ont décidé de prendre des personnes en nous faisant croire que c'était une planque de punisher, de ce qu'on m'a dit. C'est le mot qui m'a été sorti. C'est encore pire. Et que c'était une unité apparemment de Poyos qui a... C'est encore pire. C'est des flics qui n'ont rien à craindre et qui sont prêts à tout. Vous croyez que moi je suis pas capable de cambrioler votre maison, Riz, ou la maison d'un de vos collègues du SSP? Non mais attends, en gros, moi ce que je veux te faire comprendre, c'est que là t'as cambriolé. En fait, tu te défends d'avoir cambriolé une maison gouvernementale en disant je pensais je que c'était la planque. Je ne me en défends disant, pas, Riz, si, parce que tu as dit, tu dis en pensant que c'était la planque des Punisher, mais c'est encore pire. Bah, pour moi, c'était pas pire. Ils m'ont présenté ça comme étant une organisation criminelle illégale. Non, je sais très bien c'est quoi les Punisher. Dans l'ombre du gouvernement. Je sais très bien c'est quoi les Punisher, arrête, s'il te plaît. Surtout, oui, des phares. Je sors de prison depuis 2 mois, je n'ai jamais entendu parler de Punisher. C'est triste parce que vous glorifiez des terroristes en disant « Oh non, c'est la police et le gouvernement, les méchants. » Mais vous savez, monsieur le gouverneur, moi, s'il tue des poyos, c'est tout à mon avantage. Moi, les poyos, depuis que je suis sorti de prison, que je fais partie de la Puente, vous avez tué des hommes de chez moi. Vous avez tiré dans mon barrio. Vous venez chez moi comme si c'était n'importe quoi. Vous croyez que moi, quand je suis derrière ma télé, que je vois des FARC tuer des poyos, je ne me frotte pas les mains? À votre avis, pourquoi je viens chez vous comme si c'était n'importe quoi? Hein? Parce que vous venez chez moi, hein?
Non, à partir du moment que vous êtes loin du gouvernement. N'inversez pas les choses. Les poyos ne viennent pas chez moi parce que j'ai cambriolé une plante gouvernementale. Ils viennent chez vous parce que vous avez des armes et de la drogue. Voilà. Oui, mais voilà ils quoi, viennent avec malveillance. Vous êtes en désaccord avec la loi. Si, mais ça, y a pas de souci. Vous faites votre boulot de nous perquisitionner, de prendre nos armes, etc. Mais en aucun cas, vous ne devez tuer des gens gratuitement. Et vous allez me dire, oui, mais ils opposent une résistance. Absolument pas. Il y a eu des jours où on faisait des émeutes pacifistes. Mais j'avais pas vu du coup la parole. Les poyos sont tirés. Et vous savez, il y a un problème juste dans votre phrase, des émeutes. À partir du moment que c'est une émeute, il n'y a rien de pacifiste. Ouais, bon, après le mot émeute... Les agents concernés, ils ont été licenciés. Hein. Ok, muy bien. Mais ça continue d'arriver. Mais c'est parce que dans votre quartier, voilà. Vous mettez tout le monde dans le même sac aussi, monsieur. Voilà, on met tout. Non, mais ça, je suis d'accord, mais vous mettez tout le monde dans le même sac. Moi, vous me dites que je suis un revendeur de drogue et d'armes. Si j'en suis bien à la logique des choses, monsieur le gouverneur, il y a une planque à vous qui a été cambriolée, c'est ça? Oui, par ce jeune homme. Voilà. Effectivement, avec Bella. Voilà. Donc c'est toi qui es là et pas tout ton quartier, parce que nous, on met pas tout le monde dans le même sac. Oui, oui, non, mais moi, je ne suis pas un vendeur de drogue et d'armes, sachez-le. Mais pour continuer, je ne me défends pas. J'assume. Alors, allô. Trois joueurs pas clair dans ton petit jeu, toi. C'est qui ça? Mais moi, c'est moi, c'est Raoul. Comme de par hasard, on a un procès. Tu commences à. Il y a du gaz, puis les juges sont virés. Hein? Tu veux me baiser, c'est ça? C'est ça, Riz? Raoul, baisse ta mère, j'en ai rien à foutre de toi. Tu veux me baiser? C'est pas un truc de ouf. J'ai rien fait, je suis innocent en plus, j'ai rien fait. Non. Oui, moi je sais très bien ce qui est. Mais y'a plus de gaz, ça fait 3 jours qu'il y a plus de gaz. Moi je te crois pas, c'est un complot, ça c'est comme les tours jumelles. Tu veux ma chute, toi, j'ai très bien compris. T'assumes plus. Allez, va te faire enculer Raoul. Continue. On se verra pas devant le juge, y'a plus de juge, tu m'as baisé. En plus de ça, je me suis fait baiser mon appart, comme de par hasard, personne sait c'est qui. Je suis sûr, c'est toi. Tu veux me niquer, j'ai compris. Faut que j'appelle la procureure, putain. Rentrer chez moi, bon, si vous n'étiez pas gouverneur. Comment ça s'appelle déjà? J'aurais essayé d'attendre à votre vie. Par contre, moi, pour le coup. J'ai juste pris des plans, du repérage, je ne sais pas quelle est l'utilisation. Oui, après, je suis pas naïf. Excusez-moi, j'ai mis une bombe, mais je sais pas l'utilisation. C'est pas moi qui ai appuyé sur le bouton. Non, on n'a pas mis de bombe, arrêtez, monsieur le gouverneur. Connaître les plans. Oui, Lina Wuhan. Oui, Yann, j'ai essayé de vous appeler hier. Ah bon? À quelle heure? Ben, à 3h. Oui. J'étais fatigué. Et vous êtes fatigué ce soir? Parce que moi, vous m'avez dit oui, je reste tard quand même et tout. Bah, il était 3h. Ces hommes-là se font passer. Ouais. Oui. Vous repartez à 3h ce soir? Oui, à peu près. Là, je suis au showcase, mais je suis disponible exactement. Après. Ok, bon, je finis une mission et j'arrive. Ils ne viennent pas. Non, je suis pas intelligent, c'est bien ça le problème. Oui, mais c'est pourquoi que... Bella, elle, la plus conne du groupe, était au courant que c'était vous les Vous savez parcs. Pourquoi? Parce qu'elle bossait avec eux. Oui, comme vous. Non. Si, moi je sais. On a les preuves, on a arrêté tous les preuves. Écoutez-moi, je connais cette histoire sur le bout de mes doigts. Elle habite à El Burro. Et je vais même aller moi, plus loin. Moi, j'habite à la Colina déjà. Je vais même aller plus loin. Hier, t'étais dans l'île. Non, attends, laisse-le mentir. Vas-y. Sachez une chose. Ça, on pourra lui donner A plus B. Je vais vous expliquer. Après, on le choque. Je vais vous expliquer. Bella a une famille qui était très connue à Mexico. Un cartel. Ce cartel était contre les FARC. Et il les a trahis. Donc, Bella, quand ils l'ont croisé sur Los Santos, ils lui ont coupé un œil. Elle avait un œil, vous avez vu Bella, elle n'en avait qu'un. Derrière, les FARC l'ont torturée, lui ont fait des dingueries, lui ont dit que maintenant elle allait bosser pour eux. C'est sûr, hier il était parce qu'hier il y avait des pointés. Et moi, quand, la première fois que j'ai connu Bella, elle m'a dit je n'ai pas de famille, je veux les tuer. Donc, ces personnes-là, elle a tout fait pour les tuer, donc elle bossait avec les FARC. Moi, je n'ai aucun rapport avec les FARC, ni d'ailleurs avec la pointée à la base. S'il te plaît, Pestebo, s'il te plaît, arrête de mentir. J'ai peut-être collaboré. J'ai peut-être collaboré avec eux à un moment donné, mais. Non, pas le sac, pas les preuves. J'ai peut-être collaboré, mais je n'ai jamais été un FARC et été impliqué au point de Bella. On sait que t'es pas un FARC, mais par exemple, hier, tu vas me dire si t'es pas sur l'île, toi, hier. Vas-y, réponds. L'île des FARC. Quelle île, hein? Encore suisse de pute en Guadeloupe. T'es pas en Guadeloupe hier? Allez-y, dites-moi. Hein? Dites-moi. Je te pose la question. Non, je n'étais pas sur l'île. Non, tu étais pas. Plus. Allez-y, vous me parlez de preuves. J'attends vos preuves. Alors, tu étais pas. On a tous les groupuscules qui ont été invités par les FARC. On a ce qu'ils vous ont promis. Oui, mais attends, mais t'inquiète, je te dis ce qu'on a.
Alors, je te signale juste qu'on a attrapé tous les phares hier. Tu veux mourir en fait? Il y a juste le commandant qui se promène. Je discute là, on échange. Hein. Non, non, on n'échange pas, on n'échange pas. En fait, je t'explique, on a arrêté tous les phares sauf le commandant actuellement. Et les autres phares sont morts. Donc, on se. Ben. Et il est pas trop tard pour que je t'en sorte, je te le dis. Ok, c'est vous qui viens. Si, mais vous inquiétez pas là, jusqu'à maintenant. Ok, ok, rien. Mais je te le dis, il est pas trop tard pour que je t'en sorte, mais là, là, vu la voix que t'es en train de vouloir prendre. Est-ce qu'on dit qu'on a lu un truc? Non, pas encore, pas. Fou, non, non, parce que de la pointer. Non, non. Peut-être. Non. Ah non. Ah ben là, ils sont. Mais là, ils s'en doutent. Ouais, le téléphone de Bella, si. Non, pas non. Bella. Non, pas Bella. Ok, non. Bon, alors, vous notez, commandant, hein. Cet individu n'a pas été invité par les FARC sur l'île. Il n'y était pas. Mm-hmm. Non, non. Attendez, je vous demande vos preuves. Hein. On va voir où ça va. Juste répondez. Qui étaient les groupuscules sur l'île? Alors. On fait les infos, moi. Il y avait toutes si les. Je peux mettre la main à la pâte, alors avait... on va voir. Il y avait les hauts blocs, il y avait un truc avec terminé par blocs, c'est plus c'est hauts blocs, six blocs, je confonds ces deux groupes de merde. Si. Il y avait des personnes de la Colina, il y avait les pointés, les petits mignons. Hein? Si. Mais si. Malheureusement, on a. Attends, c'était pas hier, non, c'était pas hier, c'était avant-hier. Avant-hier, avant, oui, voilà, il est renseigné de toute façon. Et on a vu aucune de ces personnes-là. C'est quand même terrible d'être un terroriste et une Pookie en même temps, c'est pas. Je sais pas, bah, c'est pas. Finalement. C'est pas un bon mélange, hein. C'est pas homogène, quoi. Je vais te dire quelque chose. Quand tu penses être le plus fort, tu supprimes rien sur ton téléphone. Parce que t'es le plus fort. Ah bah non. Tu vois, quand t'es le lion, tu regardes jamais derrière toi. Alors que quand t'es le petit gibier, tu supprimes tout sur ton téléphone. Exactement. Malheureusement, ton téléphone, vous n'aurez aucune information, justement. Oui. Mais c'est bien ça le problème. C'est que. Putain. C'est ça le problème. Attends, attends, je vais te poser une question. Berigis. C'est la dernière chose, d'accord? Mais. Hier. Non, avant-hier. Quand dernier soir que Bella était là, il y a trois personnes qui se sont fait tirer dessus. Si, à la station essence de la Colina. Si. Et ces trois personnes, elles se sont fait kidnapper. Si, Loka et je sais plus qui là. Ouais. Personne. Et elles se sont fait kidnapper. À quel timing elles se sont fait kidnapper? Juste avant, l'invasion nucléaire, le virus là. Nucléaire et Berigi. Il y a quelqu'un qui court en blanc. Quelqu'un qui court avec un bonnet blanc. Je vous ai pas demandé de venir. Hein. Je sais pas pourquoi vous êtes venu. Monte. Il est caché dans le buisson. Je vous ai demandé quoi à vous? Et moi, je monte. J'arriverai pas à le suivre, hein. Ils sont 59, hein. T'es radio, Nolan, là? C'est la bonne radio? Oh. Je suis tout seul, en plus. S'il vous plaît, mettez une semaine, hein, ceux qui ont marqué 39. Mettez-leur une semaine, ça va leur faire du bien aussi. Frère, c'est en boucle, hein. C'est en boucle. Ça ne s'arrêtera donc jamais. On va être 3 dans le chat. C'est quoi votre radio? Attends. C'est la 39. Ok. Ouais, tu me reçois? Tu peux venir parce que je suis tout seul, moi. Oui, c'est ce que je leur ai dit. On est sans dishort. C'était 3 véhicules, hein, à la base. Ah ouais? 3 véhicules. Ouais. Sandy Shore, direction S, là. On arrive sur l'autoroute. J'arrive. T'as les backup punishers, toi, Nolan, si j'en fais une ou pas? Un véhicule qui m'a été dirigé, je vais le croiser à sa petite, là, qui s'est dirigé à fond vers la pause. Mon vieux, arrête-toi! Ça se focus sur le tien, vas-y, dans ce sens. Je vais tirer. Je vais tirer dessus. Oh merde. Je vais jamais m'arrêter. Je vais tirer dessus, je vais te ôter la vie, arrête-toi. Et je sais très bien que je vais mourir si je m'arrête. Oh, si tu t'arrêtes pas, tu vas mourir aussi, arrête-toi.
Tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Oula. Je suis Youtool. Ok. C'est bon, il est mort. Il est mort, hein. Je te jure, je l'ai. Descends, mets tes mains en évidence. Dépêche-toi, je compte jusqu'à 3. Dépêche-toi. Allez, monte dans la voiture. Je vais monter. Allez, accélère. Putain. T'as une arme? Jette ton arme. Vas-y, c'est bon, je l'ai. Jette ton arme. C'est bon, je l'ai jeté, c'est bon. Où? C'est bon, je l'ai. Putain. Attends, je resserre sur les autres du coup. Il est tout seul? Ouais, t'es tout seul. Attends, je vais vérifier la voiture. Ouais. Y'a rien dans la coachée, y'a rien du tout. C'était quoi les autres voitures là? Buffalo. Quelle autre voiture? Y'avait une espèce de. Parle pas toi. Quelle couleur? Y'a rien dans la coachée, y'a rien du tout. Je sais pas si c'était une sultan, mais c'est tout. Ok, seul, ouais, je vois, y'a une voiture beige sur moi là. Je suis tout seul. Des voitures beige justement, j'allais venir. Ouais, ils sont deux voitures beige sur moi là. T'as les backups ou pas, Nolan? Punisher ou pas du coup? Non, j'étais pas, j'ai que goût moi. Attends, je t'envoie la pause. Putain. J'arrive, hein, je suis à 1 km. C'est bon, ils sont partis. On resserre sur toi, on sait jamais. Ils sont devant moi. Je vais leur tirer dessus, hein. Je te préviens, Nolan, dépêche-toi de débarquer parce que tu veux leur tirer dessus, là. Ils vont être choqués, hein. Comme ça, tu vas me tirer dessus. Recolle-toi à moi, tu vas voir si je t'allume pas ta grand-mère. Bah, non. Ne me testez pas, j'attends que ça. J'attends que ça. Ils sont deux voitures, là. Ne me testez pas, n'essayez pas de me faire, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il y a? Vous laissez pas intimider. Vous voulez. C'est la guerre que vous voulez? Vous voulez la guerre, vous êtes sûr? Je veux pas la guerre, en plus la personne dedans, c'est tout. Non, vous l'aurez pas la personne dedans. C'est profitez de votre dernière chance de pouvoir partir avant que les collègues ils arrivent, je vous le dis. Hein. Parce que vous allez regretter amèrement quand ils vont être là. Hein. Ils sont en face de moi, Nolan, je gagne du temps. Dépêche-toi. J'arrive, je m'en bats les couilles, on le prend. Vous êtes sûr? Monte. Ils sont descendus, ils sont armés. Nolan, t'es là? C'est toi là? À Washington? C'est moi. Là, c'est eux là. Nous, ils sont deux voitures, deux coachés. Oh, et ça fait commencer, il messieurs. Il est seul dans sa coachée, hein, il est seul. Ah, je suis seul, mais j'ai une M4. Ah, mais il est seul. Vous êtes pas suicidaire, monsieur. Oh, je le suis, je t'assure, je le suis. Non. T'as pas du renfort, Nolan? Quoi? T'as pas du renfort? J'ose pas appeler les keufs pour ça. Voilà, c'est la fois que ça caisse. Ok, ils sont isolés, Nolan. Ok, parfait. Ce que je voulais. Non, mais c'est qu'elle roule cette voiture. Oh, que oui, elle roule. Aïe. Et hop, où ça, putain? Ouais. Pas super cool. Vraiment, arrêtez-vous, je vous le conseille. Merde, c'était pas voulu celui-là. De toute façon, regardez-moi, écoutez-moi bien. Eh, je vais le buter, votre pote, à l'arrière là. Je vais le buter. Eh, soit vous vous arrêtez, soit je le bute. Vous voulez que je le bute? Vous voulez que je le bute? Hein? Je vais le buter, je vais lui ôter la vie. Je vais lui ôter la vie. Arrêtez-vous. Je vais l'assassiner. Je vais lui mettre 4. Je vous jure, vous arrêtez pas. Venez ici, c'est moi. Arrêtez-vous. Vous pourrez pas vous échapper. Vous pourrez pas. C'est impossible, vous ne pourrez pas fuir. Où que vous soyez, je vous traquerai. Arrêtez-vous. C'est bon, on te le laisse, tu m'as convaincu, on te le laisse. Allez, essayez de partir, hein. Partez, ça sert à rien, partez. Tu vas pas lâcher l'affaire, je crois. Oh que non, je la lâcherai pas, je t'assure, je vais pas la lâcher.
Tu voulais me braquer tout à l'heure aussi, hein. Tu voulais me braquer tout à l'heure, t'as descendu du véhicule. Vas-y. Ouais, je l'aurais fait avec volontiers. Mais t'as ramené tes copains. Oh, mon copain il est tout seul derrière. On est que deux. Allez. Hey, le copain dans la Washington. Arrête-toi mon vieux. Je suis pas sûr que deux M4 contre un pistolet ça va faire grand chose. Oh, même si j'avais un pistolet. Arrête-toi. Non, pas contre. Tu pourras pas fuir. Tu pourras pas fuir toute ta vie. Tu pourras pas fuir toute ta vie, mon vieux. Je te suis, je galère Washington, mais je te suis. Putain, mais ça roule, ça merde, hein, putain. On est dans Fast and Furious ou quoi? J'étais avec eux, là, route 68, en direction club de bikers. Quoi qu'il arrive, j'en ai un. Et là, je veux le pack. Je veux le pack parce qu'ils ont voulu descendre, ils ont essayé de me braquer. Ah, mais t'as le moins intéressant de tous, hein, si je peux me permettre. Oh oui, c'est pour ça, je m'en doute. Vous pourrez pas fuir éternellement, je vous le dis, hein. Attention, je tourne. Ah, mauvaise destination. Dis-moi que ça se casse. Ok, nice. J'ai eu peur de la clim, là, par contre. Comment le pire move. Allô. Ouais, t'inquiète, c'est bon, les amis. Je vais prendre, voilà, t'inquiète. Vous avez... Aïe. My bad, my bad. Arrête-toi. Arrête de rire, toi. Arrête de rire, tu vas mourir, toi, derrière toi. Mais j'ai pas rigolé, j'ai rien dit. Bah là, actuellement, je suis poursuivi par... Je veux plus, tu fais plus. Je veux plus. Ok, ok, ok. Je te jure, j'ai plus envie, pardon. On va respirer. Au pire, lâchez-les, vous m'avez aimé, ça suffira. Non, je pense. Non, non. Je pense que ça suffit, je te jure. Oh, ils ont rien à voir, ils sont courants, rien, ils servent rien. Il est reparti sur la route. T'inquiète pas, je l'ai, n'inquiète pas. Je veux que tu peux ne pas les avoir, ce serait bien aussi. Hein. J'espère juste qu'ils ramènent encore plus de renforts. J'espère juste qu'ils ramènent encore plus de renforts. J'espère vous me ramenez. J'espère vous me ramenez dans une position où il va y avoir des gens. Balle, il est efficace. Oh, il l'est. Il l'est. Tu suis ou pas derrière? Toujours là, toujours là. Je suis là. Je te vois. T'inquiète. Je vais m'en la suivre, ton pote. Hein, je te mens pas. T'es un peu tout seul là. Ouais, viens Radio 39, Radio 39, là je suis en train de poursuivre des gens. J'ai besoin de renfort. Ok, vas-y. Une tempête à Iris d'un patron. T'as dit quoi? T'as dit quoi? J'ai rien. Là Iris, vous risquez de nous mettre une crime là, donc. Ouais, ouais, t'inquiète. Sur mes gardes. Voilà. Mais arrête-toi, tu crois que tu vas aller jusqu'à où? Tu vas rouler jusqu'à où? Eh, j'irai loin. J'irai où tu iras. Monsieur, allez, occupez-vous de ce que vous avez à faire et on chacun prend sa route. Tu veux que je m'occupe de le tuer? Tu veux que je m'occupe de le buter? Mais non. Hein? C'est ce qui va lui arriver si vous vous rendez pas. Si vous vous rendez pas, c'est ce qui va lui arriver. Il a fait quoi? Je vais le tuer. Je vais le tuer, je vais lui ôter la vie. Je vais lui ôter la vie. C'est un meurtrier. Ouais, je suis un meurtrier, ouais. Ouais. T'es là ou pas? Ouais. Ah ouais, je prends une voiture. Ok. J'ai pris votre plaque, monsieur, hein. Votre voiture bleue, bleu, là. On descend en place des cubes. Eh, c'est un poilu derrière. Non, mais. Non, ouais, monsieur. Oh, que si. Non. Tu le sens arriver, hein. Non, y'a pas de doucement. Je suis agressif. Laisse-les tranquilles. Le problème, c'est qu'ils peuvent tourner à gauche. Place des cubes actuellement, toi. Laisse-moi. Ouais, t'inquiète, passe. C'est bon, laisse-les. Je vais pas les laisser, vous êtes mêlés des affaires qui vous regardez pas, vous allez regretter amèrement.
amèrement. Qui s'est mêlé, hormis moi, hormis moi. Vous étiez ensemble. Peu importe, dépêche-toi de venir. Je sais même pas c'est qui, je les connais vite fait, c'est tout. Oui, tu les connais vite fait, hein. Part en direction de l'ancien gouvernement. Je viens de dépasser Arcadius. On a tourné au Gouvre, là, on repasse autoroute. On prend autoroute direction ouest. Toujours autoroute direction ouest. Aïe, oui. J'irai au nord. Il peut prendre à gauche là. Oui, là, on a en direction GOH. Oh non, je sais pas le faire ça, moi, vite. On est à côté de la fête foraine autoroute. Je vais pas te lâcher. Tu comprends? Il en faudra plus. Il faudra 4 plans mules pour m'arrêter. 4. 4. On va commencer par un déjà, ça sera pas mal. On est devant le Burger Shot. Ouais, Burger Shot. Je peux savoir où t'es la numéro 1? Je suis en pause, je viens de prendre une banane. Et bah accélère. Direction. Les canaux, il a tapé. Il a tapé. Ok, il a pas trop tapé finalement. Ça glisse où? Ok. Ensuite. Oh, comme qui dirait qu'on a un problème. Ah, mais bloque-le! Toujours dans les canaux là. Canaux direction ouest, en direction du PDP. Son véhicule il va fumer, hein, de toute façon là, c'est une question de seconde. Tu es dans les canaux. Ok, dans les canaux, direction Marina. Il a pris gauche. Ouais, c'est bon, tu nous as? Continue à m'informer, je suis en parallèle de vous. Ok, on passe devant le club des bikers là qui sont morts. Blanche, là. Marina. On rentre dans la marina. Il me fait la marina là. Ok, y'a un. On va vite mon frère, ils vont me bloquer. Oh merde. Aïe. Sors. Non mais wesh, ça fait combien de temps que j'ai pas perdu à la marina? Merde. Oh, je suis trop nul. Je suis tombé. Oh putain. Ouais. C'est moi, il a essayé de courir le trou de balle. Non mais trop la honte, sa grand-mère, la marina. Ça te fait rire en plus. Hein? Je peux savoir, t'as essayé de faire quoi? Vous les avez toujours ou pas? C'est moi le véhicule. Lève-toi, je te porte. C'est une sentinelle couleur beige dorée avec une bande blanche. Un mec en blanc dedans? Possible, oui. Putain! Putain, j'ai mal! Ah oui, tu m'étonnes! Il est tout seul dedans? Foiré-moi! Ils sont plusieurs. Et moi, sentinelle blanche avec un trait, il est tout seul, il est en train de mettre de l'essence là, LTD, LTL Séoul. Ok, je récupère une voiture, je vous rejoins là. Je vais mourir, putain. Ok, oui, tu vas mourir. Black, moi, une backup Punisher 26 si jamais il y a un problème. Je suis derrière lui là. Sentinelle blanche qui part en poursuite. Putain, mais toutes les voitures elles partent à l'opposé de moi. Et lui, du coup, Nolan, tu confirmes? Putain, mais j'ai rien à voir, putain. Oui, t'as rien à voir. Hein. Là, on passe devant le gouvernement. On part direction place des cubes. Mon vieux. On va arriver à proximité de l'Arcadius. Allez, monte. Parking rouge. Il s'est mangé. Go. Il a tapé. Et attends, j'ai la deuxième. Qui est occupée 4 fois, là, je l'ai. Là, on en a un, nous. J'ai encore la sentinelle beige là. On est direction nord là, direction bijouterie. Je suis de retour. Tu croyais que c'était fini? C'est pas fini. Récupérez-le et rejoignez-moi. Ok, continue. Direction le golf. On passe devant le golf. Écoute, si t'as un petit peu d'humanité. Tiens, attrape une serviette et débrouille-toi avec ça. Putain. Il reste
Ça veut dire que je suis tous mes proches. Golf, golf direction hôpital, la direction hôpital. On part, on part devant le cimetière. Bande de flics de merde. On arrive à l'hôpital là. Ok, on a pris à droite de l'hôpital, côté. On longe entre le cimetière et l'hôpital quoi. Bande de espèce de flic. Putain. On monte direction nord. On monte direction nord, on est sur l'autoroute. Ouais, autoroute à gauche là. Ah ouais, c'est pas. Eh, votre collègue là, je lui ai tiré dessus. Je lui ai tiré dessus à votre collègue là. Je lui ai tiré dessus, il va se vider de son sang là. Je vous jure, il saigne, dites-leur de s'arrêter, Je vais mourir, putain. Rassurez-moi, c'est moi qui vais mettre masque, hein. Pour mettre les bras, il est masqué. Moi, je suis masqué, moi. Putain, mais sois un peu humain, lâche-moi. Les médecins, fais un truc, putain, je vais mourir. Dis-leur de s'arrêter. Arrêtez-vous, il va crever, hein. Vous voulez qu'il crève? Eh, vous m'avez ou pas? Bah, t'auras serment sur la conscience, et on va te buser après. Ouais, c'est pas grave. Plus j'en ai, plus je suis heureux. Putain. Non, ouais. Ouais. C'est toi le vrai bandit en fait, hein, c'est pas nous, on okay. Est le vrai bandit. Il a tourné, de tir la première à droite, là où il y a les, les grandes villas et tout, là. Ouais. Tu l'as perdu? Non, je les ai, ils sont toujours derrière eux, là. On arrive. Ouah. Putain. Oh, dans la Washington. Tant que vous me suivez, comme ça au moins si jamais il y a un problème qui s'arrête ou quoi. Ok, ensuite on prend à droite. Normalement numéro 1 elle me comprend. Allumez-le cet enculé. Droite direction, tu sais comme si on repartait dans le sud là, on va arriver au niveau des grandes villas. Les plans là-bas, Rizin. T'as dit quoi? Bah, sont les plans là-bas. Ouais, t'inquiète. De toute façon, s'il y a un truc, je bute le mec derrière. S'ils veulent me faire un guet-apens. Oui, allô. Ah, je vous assure, je serai pas loin. Oui, non, je suis pas disponible. Ils vont mettre la pression, ils n'ont rien à foutre de ma vie. Il faut que je finisse mon opération, d'accord? Ah, mais c'est pas fini, je crois. Non, je suis en pleine course poursuite là, justement. Ah, pardon. Super. Commandant, c'est une longue histoire, commandant. Vous en êtes où là un peu? Je vous le dis, ils n'ont rien à foutre de ma vie, ça va rien mettre de la pression. Ok, là on repart sud, tu sais, on va arriver devant l'université. Ok, je vois, putain, je suis vraiment loin. Ouais, et en plus j'ai plus beaucoup d'essence. Mais moi j'ai le 10-20. Ben je viens de le faire là, direction université. J'espère que tu tapes. Direction perdu, sud. Perdu. Plein sud, on passe devant quartier Morningwood. Ouais, je vois, je suis au niveau de l'hôpital. Ok. Pour l'instant, on est toujours en direction plein sud. Ouais, toujours plein sud là. Là, on traverse la ville, tu sais. Okay. Toujours plein sud là, on passe au niveau, tu sais, du bar là. Du bar où tu vas twerker à chaque fois, numéro 1. Ah, on tourne à droite. C'est Bahamas. Bahamas. On passe devant le Bahamas, on est devant le Bahamas là. Non, mettez pas les giros. C'est entre toi et moi, dis-le juste que c'est entre toi et nous. Pas lui derrière, on s'en fout. Bah, si, faut mettre les giros, non? Non, mettez pas les giros, c'est une opération discrète. À essayer de vous sauver, hein. Oh putain, mais tu fais mal, putain. Tu m'as tiré quoi dessus là? M4. Oh, M4, putain, mon vieux. Ah, force oui. De merde. Ah oui, ça perd fort. Attention, vous êtes des meurtriers, ils ont pas tort là-dessus. Ok, oui. Je t'assure, oui. On passe devant le coiffeur Whitewood. Direction ouest. J'ai plus beaucoup d'essence, hein. Ah bah j'espère que t'as plus d'essence, j'espère que tu n'arrives plus à rouler. Ok, en direction Colina. Voilà. J'espère que tu... Ouais. Wouhou. T'étais content, hein. T'étais content. T'inquiète pas, je maîtrise. On est direction la Mesa. Tu sais le poste de police de la Mesa là. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais mais faut vraiment en faire des calls constants. Ouais bah en fait si je te fais rien c'est qu'on coche tout droit. 26 26 000. Poste HP là, toujours direction sud. Ah ils sont moins 26. Ils sont moins 26. On a pris droite direction Medical Center. Quartier ukrainien, Medical Center. Direction Tasmanian Unicorn.
Direction son unicorne maintenant. Continue les. On arrive pas à des cubes. 42, 42, ouais, 42. Mais j'ai rien fait, putain, j'ai juste observé un putain de tunnel. Direction Tourwood. 59. C'est quoi tes numéros là? Il essaie de griller qu'il a dit 26. Non, en plus j'ai rien à voir. Ils m'ont demandé d'aller vérifier. Écoute, je suis parti vérifier. Écoute-moi, 59, tu te dépêches de débarquer, d'accord? Oui, débarque pas, 59, débarque pas, débarque pas, 59. Ouais, ok, on a tourné direction ouest. Devant le tribunal. Tribunal. Oh putain. On passe. Oh là là, c'est la merde. Là, je vais mourir. Ouais. De toute façon, si je meurs pas, je vais me plaquer. Passe par ma gauche. Aïe. Oh merde alors. Bah. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui la Buffalo? Moi. Ok. Je mets de l'essence, tu les lâches pas, ok? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la mienne. Ah, si jamais, donc je parle juste à côté. Clairement. Je mettrai de l'essence quand on passera devant une station. Viens, on essaie de bloquer là, c'est mon bombaroun d'honneur là, je suis dans le rouge. Elle passe à droite? Ouais, bah j'essaye, mais attends, parce que ma félone elle est nulle. Arrête-toi, c'est fini, c'est ciao. C'est hasta luego. C'est bye bye. C'est sayonara. Arrête-toi. L'autre connasse de 26, sérieux. Oh, comment je vais vous allumer. Vas-y, vas-y, et vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le, tu vas voir. Tu vas voir si je t'allume pas ta grand-mère. Vas-y, 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 vas-y. Arrête, arrête. Arrête. Quoi? Il court là-bas. Il court. On les a mon gouverneur, on les a, il me faut un EMS là. Ok, direction Colina, là j'ai encore le véhicule, il est en train de faire route. Je le rappelle un EMS. J'ai passé quoi? Ben ils ont fait un plan à cube, j'ai hurlé. Et après j'ai tiré. Oh merde, j'ai eu les deux. Ouais, je les ai, y'a un deuxième véhicule qui a resserré sur eux, ils sont en train de monter, sortie Colina, sur la même autoroute. Je vais essayer de passer en parallèle avec toi. Je crois qu'ils essaient de me faire un plan, mais je suis pas sûr, parce qu'il y en a un qui fume. Explosion, c'est dans le nord, ne vous inquiétez pas. Vas-y, direction Colina, toujours, on est en quartier Mara. Riz, je peux te lâcher ou pas, c'est bon? Ouais, je crois que c'est. Moi, c'est bon, hein, ouais, c'est bon, hein. On est dans une petite ruelle. Ok, je suis quartier Mara. En fait, mon commandant. Il va sur la route principale de la Colina. Il y a eu un drive-by en même temps, mon commandant. J'y suis. On verra ça tout à l'heure. Dans les petites ruelles, on n'est pas rentré parce qu'on. C'est Sentinelle avec la trace blanche. C'est ouais, la ruelle bizarre, un peu, il y a fume là. Ok, direction ouest là, au niveau de la Colina. On va arriver devant chez les Pointés. Bah, je sais pas, c'est dans le feu de l'action. Elle va très doucement, on arrive maintenant devant chez les Pointés. Au niveau de la roue. On repart en direction du LTD. C'est vous là, c'est bon? Parfait, je rentre. Hein. Ok, on a pris à gauche à la ruelle. Je peux pas les sortir du véhicule, non? À gauche, en négatif. Je peux. Vous êtes deux voitures là? Oui, c'est bon. Bon, on est à 500 mètres plus loin si jamais vous avez besoin. Eh, les deux là qui sont fait tirer dessus, je fais quoi? Je les laisse ou je m'occupe d'eux? Fais-moi une backup. Ah, vous avez pas envie de voir ça, hein? De toute façon, pour l'instant, t'es mise à pied, Riz. Quoi? Pourquoi? On arrive. Je fais le tour, les gars. Non, Riz, je vous remets à pied. C'est pas lui qui a le droit, c'est moi. Donc vous êtes toujours au travail, Riz.
Mais là du coup je sais pas quoi faire parce que je vous aime tous les deux. On arrive, on arrive. Attention Nolan, on a pas le deuxième. Moi déjà. Merde. Il était dans la voiture, il s'est barré en courant aussi de l'autre côté. Il a pu rentrer dans une maison hein. C'est possible, je regarde aux alentours là, j'ai entendu des grillages. Vérifiez votre coffre, vérifiez aussi le coffre de leur voiture, ils peuvent se cacher dedans. Ouais, c'est oh les mains en évidence, monsieur. Monsieur, les mains en évidence. Oh, oh. Par là qui? Bah vous. C'est bon, capitaine. On... Mon commandant, baissez les larmes, on lui laisse le bénéfice du doute. Encore commandant, lui, c'est un de vos agents, quand même. Non mais pas. En gros, ils étaient en train de rouler et il y a des mecs. Je crois que c'était les Maras. Ils ont crié Mara. Ils ont tiré. Ils leur ont tiré dessus. Un assassin. On a pas le deuxième. C'est passé quoi réellement? Non mais je leur ai dit montez pas où je vous tue. Ils sont montés. Bonsoir. Bonsoir Ivy. Bonsoir. Bonsoir beauté. Izel pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un accident je crois, regardez la voiture elle fume hein. Ok. Et ils ont pris des balles aussi accessoirement. Madame, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? Madame, si vous m'entendez, serrez-moi la main. Venez avec moi. Mais comment t'en monter? Les gars, on revient, gérer. Les gars, ils prennent la fuite, je les braque, ils assument. Je veux bien, on rigole, mais parce que là j'en vois qu'ils sont premier degré là. Là premièrement, oubliez pas que c'est du RP, et deuxièmement, je les braque, ils prennent la fuite, ils assument. Ils se dirigent à toute patate là. Non, parce que je vois, il y en a, ils sont en mode. Je vous vois arriver. Véhicule, parking central. Je le vois. Tu veux qu'on fasse quoi? Je sais pas s'il est avec ou pas. Pas du tout. Ok. Là, je suis pas en cas, je m'en bats les couilles. Là, je suis pour le goût. J'allais chercher des trucs dans l'ambulance. Un brancard, ce serait bien. Je vais chercher ça. Merci. Peut-être laisse tomber, c'est moi, ça fait 26, c'est bon, on a déjà le mec. Ouais, c'est bon. Monsieur? Mission, quelque chose là pour les individus? Attends, mais donne-nous là, ne me dis pas que t'as dit 26 et que t'avais le mec dans ta voiture. Je vais tout casser. On répétait 36 fois de toute manière. T'as pas dit pareil quand c'était Riz? J'ai pas entendu. Oh non, Riz, pourquoi t'as dit 26? Actrice, va. Pose de poste de police, hein, du coup. En fait, sinon, les gens, je leur dis, bouge pas ou je t'allume. Ils vont quand même bouger et dans ce cas-là, plus personne n'a plus peur des armes, tu vois. Une voiture derrière, une voiture. Personne. Ça, oui. Est-ce qu'ils peuvent être transportés à l'hôpital ou est-ce que vous avez besoin de les fouiller? Ils peuvent être transportés à l'hôpital ou ils ont besoin de les fouiller? Que vous allez laisser se reposer un petit peu, hein? Donc je les laisse se faire transporter à l'hôpital? La réponse est oui, du coup? Oui, laissez-les transporter à l'hôpital. Ouais, transporter à l'hôpital. Ok, d'accord. Monsieur, je vais vous installer sur le brancard. Monsieur. Du coup, moi, le mien, là, je le mets au poste. Voiture. Amenez-le à Riz. C'est vous la voiture là qui vient de partir? Non, c'est pas lui. Bon, c'est lui en attendant, comme ça moi on peut continuer le poursuite. Bah Louis, ça va pas la tête. Prenez votre temps si jamais vous avez besoin. Bon ben oui, ouais, les deux. Prenez-les et gardez-les, d'accord? Ok, d'accord. On va repasser plus tard pour les récupérer. Ok, bien pris. Super. Montez par devant. Ouais. Elles sont en haut les douilles là. Oh.
Ouais. Tu... ouais. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, là c'est. Oh mon dieu, tout ce qu'il a ramassé. Bah je te laisse faire, hein. Ah bah ça me prend du temps là. Tu sais, des fois je me regarde dans le miroir et je me demande si je suis un monstre. Tu penses que je suis un monstre? Toi, de te poser la question, est-ce que toi tu en es un? Ouais, j'en suis un. Ok, ouais, j'en suis un, Kaït. Faudrait qu'on remonte. On peut remonter par là ? Occupe-toi d'en haut, on va faire exploser la voiture. Je crois que je peux pas remonter par là, si. Ah, c'est par là qu'ils sont descendus. C'est comme ça, ils sont pas pétés la gueule. Est-ce que c'est bon pour vous, Nolan ? Je l'ai déposé au poste là, du coup, je l'ai mis en détention provisoire en attendant. En cellule, et puis le temps. Il a dû partir, lui, non ? On va pour la suite. Ouais, là tu partir, tu m'étonnes. J'aurais fait pareil à sa place. Je peux avoir un brief ou pas? La situation? Et je vais t'appeler Winter, comme ça moi. Mais bon, quoi, on en est. J'en ai tiré 30 de toute façon, hein, je le sais. Hein. Appelle-nous si jamais. Appelle-nous, appelle-moi. T'as un bidon d'essence sur toi ou pas? Non. Y'a la Zidouille à côté de toi. Ouais, je sais, y'en avait beaucoup. Y'en avait 30. J'ai mis le chargeur, j'arrivais pas à m'arrêter. Non mais j'irai les jeter après. T'es sûr de pas vouloir faire voler les preuves? Oh, ok, attends. Je mets tout. Dans le coffre. Kilomètre. Relâchez bon. Les personnes que vous avez. Pourquoi? À ce moment, faut prévenir Radio SASP du coup, parce que j'en ai placé en détention. Pourquoi mon gouverneur, pourquoi? Non, rien, c'est parce que c'est pas eux. Comment ça, c'est pas eux? Comment? C'est pas la bonne procédure, c'est 22. C'est pas la même quoi? La bonne quoi? C'est les bonnes personnes, on s'est trompé. Et les mecs sur qui j'ai tiré, c'était pas les bonnes personnes aussi? Ah, ceux sur qui j'ai tiré, je vous assure que c'était les bonnes personnes, hein. Eh oh. J'ai loupé un truc. Oui. Oui, comment ça, c'est pas les bonnes personnes? Bien sûr que c'est les bonnes personnes. Je suis occupé, là, avec Rosalia. Au revoir. Vous attendez, vous êtes pris en otage ou quoi? Vous êtes pris en otage? Rosalie, arrête quoi? Vous êtes pris en otage? Non, ah, tu te rappelles, non.
péage pour faire le brief. Ouais, rappelle-moi, rappelle-moi. Et quelqu'un peut m'expliquer là ce qui se passe là, il est pris en otage le gouverneur ? Pourquoi on est tout, je sais pas, faut voir avec le gouv là, vraiment. On est pas avec lui si jamais. Et pourquoi c'est lui qui suce Rosalia ? Peut-être pour monsieur le gouverneur, vous êtes où ? Je s'occupe de Rosalia. Moi je pense qu'il est pris en otage le gouverneur là. Non, chez Rosalia. Nolan, t'as eu un problème, rappelle-moi. Bonsoir. 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 Je commence à stresser. Et ça, tu stresses, toi. Je stresse pas, c'est bon, je stresse pas. Je sais pas, je vais le faire. Vas-y, remets-moi de la morphine, là. Remets-moi de la morphine. C'est bon, je remets ça, c'est bon, tout de suite. Commandant, oui. Tout va bien. Oui, allô. Ouais, Riz, ça va ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? Bah rien, pourquoi ? Mais pourquoi vous avez dit les relâches ? Commandant, tout va bien ou pas ? Bah parce que pour moi, c'est pas les bonnes personnes, non ? Mais bien sûr que c'est les bonnes personnes, y'a Berry Giz là en face de moi, qu'est-ce que vous racontez ? Mais lui, c'est un bon Non, Wayne Backup, s'il vous plaît. Non. Attendez, mais je... Le Berry machin, c'est un pointé lui, non ? Oui, mais c'est lui, hein. Tu m'as dit que c'était des maras, ceux qui étaient sur le parking en bas. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles du commandant ou pas, s'il vous plaît ? Non, vous mélangez tout, là. Négatif pour notre part, gouvernement. Là, Berry Giz, le mec à qui on posait des questions. Ouais. Ben, il est en face de moi, là, il s'est fait récupérer par les pointés. Et là, les pointés, ils sont à l'hôpital, ils sont en face de moi. Bah oui. Et du coup, pourquoi vous avez dit qu'il faut qu'on les relâche ? Bah parce que je t'ai dit que c'était des maras. Non, j'ai dit qu'il y avait des maras qui avaient tiré sur des pointés. Les maras ont tiré sur les pointés ? Oui. Parce que nous, on a ramassé les douilles, mais c'est pas les maras. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut les relâcher ? Y'a pas une facture ou quoi ? Bah, Riz. Je sais pas. Riz ? Oui. C'est pas un drive-by, Riz. Attends, mais moi je comprends pas là. Nolan, c'est toi dans les rails ? Oui. Ouais, c'est moi. Pour les deux individus, vous les reprenez ouais, avec vous ? Ouais, une fois que vous les avez soignés, ouais. Ok, bah ils sont juste là, ils sont prêts à... Ça marche, merci. Pour la patiente ici aussi, on lui fait la facture ? Ouais. Je sais quoi, je peux me barrer là, ça va ? 26, viens, sur la position, là. Ah non ? Bah j'arrête. Non, parce qu'il y a celui-là qui veut vous... Ouais. Perfecto. Bah moi, je suis prêt si jamais. Ouais. Voilà pour vous. Je comprends pas. Je vous remercie. Voilà ça, Seigneur. Bon, monsieur, je vous remercie à vous tous. Y'a pas de soucis, monsieur, c'est pour la muscu. Désolé. Oui. Oui. Mais là, les individus, là, j'ai Berigine en face de moi et tout, là, je fais quoi ? Oui, mais non, on a déjà. Berigine, on a déjà négocié. Pendant que vous êtes en train de faire quelque chose, on a interrogé nous déjà. Du coup, je laisse repartir là. Billie Jean, oui, et les autres, ils étaient armés. Ben, les autres, oui, ils étaient armés, même, ils ont pas pris des photos de nous et tout, je sais pas quoi. Regardez sur leur prenez leur bon, téléphone. Écoutez, ils sont à l'hôpital. Écoutez, si je tombe, on va tomber tous ensemble, c'est bon, j'en ai plus rien. Merci de votre opération. Ils sont à l'hôpital. Mais non, vous me prenez pour un con là, vous me demandez de faire des choses, quand je l'ai fait, après, vous me laissez sans nouvelles. Eh ben, ils sont à l'hôpital, j'espère qu'ils ont pris des photos de fous, de nous à visage découvert et tout, c'est bon. Bonne nuit. Il se fait enculer celui-là. Possible ça, frère. Je fais le boulot. Il m'encule. Il me laisse comme ça. Je vais refaire les patrouilles. Moi, je vais aller tabasser des gangsters. Depuis quand le gouv il a chaud du commandant ?
Mais maintenant tu m'expliques au commandant, c'est pas toi qui a tiré, mais le commandant je veux lui dire c'est moi qui ai tiré. Je suis pas en keuf. Là je suis pas en keuf frérot, là je taffe en punisher, j'ai carte blanche. Ouais c'est moi qui ai tiré. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, je vais même l'appeler 07. Je l'appelle, je vais lui dire. Je vais lui dire, ouais, c'est moi, je l'aurais tiré dessus. Je suis une pute. Non parce que j'ai compris le petit coup de Trafalgar là. La Zarma vu que je leur ai tiré dessus, ça veut me faire passer pour le méchant. Parce que le gouverneur il veut faire gentil devant le commandant. Même Nolan c'est une pute hein. Même Nolan c'est une pute. Croyez pas c'est la bourse, c'est Guetta, c'est le gouverneur qui lui a dit ouais on va lui la pose hein. Ça fait partie du guet-apens. Ça fait partie du piège. Il va me poursuivre. C'est qui là? Arrête! Quoi? Vas-y, fais-le! Vas-y, fais-le, tu vas voir! Tu vas voir si je t'allume pas ta grand-mère! Vas-y! C'est qui nous rejoint? C'est Riz. Et très beau boulot, Riz. Je suis fier de vous. Ah, merci. Ce qu'on attendait de vous. Vas-y, quoi? Vas-y, fais-le, tu vas voir! Tu vas voir si je t'allume pas ta grand-mère! Comment ça, c'est ce qu'on attendait de vous? Allez, on lui a demandé d'arrêter, il a arrêté. Il veut rigoler ou quoi? À qui tu parles? Le clip, il est trop drôle, sa mère, par contre. Oublie qui j'étais! Ah, ouais, j'ai raison. T'apprécies le prends pas comme ça, ne le prends pas comme ça, vraiment, ne le prends pas comme ça! Apprécie le sentiment de te voir comme ça. Ok, mais là, pourquoi vous m'avez laissé en plan? Pourquoi on voulait apprécier ce moment? J'en peux plus de bavre là. Regarde, t'entends tes cris? Il est où le commandant? Commandant, il pisse depuis 6 heures. Ah. Un problème à la vessie. Eh mais moi, écoutez, je vais vous dire, je vais vider mon sac. Je vais vider mon sac parce que j'en ai marre d'être une pute. D'accord? Commandant, ouais, je l'ai fait. Ouais, c'est pas un drive-by. Je l'ai fait. Je travaille pas en tant que. Tu l'as pas dit? Je travaille pas en tant que keuf parce que j'avais pas envie de descendre dans votre estime. J'avais pas envie que vous soyez déçu de moi. Ouais, je l'ai fait. Mon gouverneur. Oui, je leur ai tiré dessus. Je leur avais demandé de s'arrêter. Ils ont pas voulu s'arrêter. Ils s'arrêtent pas. Je leur tire dessus. Bon commandant, je suis désolé, je tire au jugé, moi j'ai pas de crosshair, donc je tire là où je peux. D'accord? J'ai pas de viseur holographique. J'ai pas de viseur holographique, je tire là où je peux. Ouais, y'a des balles qui ont touché. Et alors quoi? Je vais aller en prison pour ça? Je travaille pour le gouvernement. Je suis pas en tant que keuf. Si ce n'est votre déception, y'a rien qui m'importe. Et vous, mon gouverneur, je fais ça. Je me mets en péril, je prends des risques pour qu'au final vous me dites on les relâche les individus. On est où là? Riz. On n'avait pas la Billy Jean, on avait toutes les informations avec le gouvernement. Mais alors pourquoi vous m'avez continué de les poursuivre alors? Si vous êtes en train de les poursuivre, bon, allez jusqu'au bout. Mais hein, vous savez très bien que ça peut découler sur des trucs comme ça, les poursuites. Mais je sais, c'est dommage qu'il y est arrivé ce soir. Il faudrait plus que ça se reproduise. Juste.
Pourquoi pas? Non mais Riz, quand même. Tu te rends compte? Ça te fait rien? Ça me fait rien, ils sont pas morts. Bah encore... Dieu merci, oui, mais bah heureusement. Écoutez mon commandant là, je... Et puis même si tu travailles pour le gouvernement, peu importe, t'as une morale quand même, t'as, je sais pas. Non, pas quand je travaille comme ça, mon commandant, quand je suis... Je comprends, et je vous assure que si jamais j'avais été en policier, j'aurais pas fait ça, mais là c'est pas le cas, là j'étais pas un flic. Oh c'est bon commandant, on a la vie des vertes et de pas mûres. Et hein, oui, c'est la cam du gilet en gros les mecs. Notre carrière. T'en pensez quoi? Écoutez, je suis désolé si je vous ai déçu mon commandant. Regardez, une fois... vous voyez là vous Attendez, tirez. Je veux finir. Désolé que vous soyez déçu. Mais en tant que flic, je ferai pas ça. Là c'est particulier, d'accord? Là on parle du gouverneur, on parle de gens qui ont aidé des terroristes. Eux ils auraient pas hésité si ça avait été l'inverse. Ouais, je sais pas dans quoi tu t'embarques, Chris, mais t'es mal barré, je te le dis. Quelqu'un d'autre qui est mal barré. Qui ça? Billie Jean. Oh non, je vous jure, ça me fait trop de la peine qu'ils soient déçus de moi. Ah, les Bee Gees, enfin, les Bee Gees. Enfin, vous avez rien écouté de ce qui s'est passé sous le tunnel? Si, j'ai écouté. Vous savez qui est Billie Jean alors? Non. Je vous jure, je suis triste qu'ils soient déçus, le commandant. Commandant, s'il vous plaît. Commandant, c'est l'âge, c'est la vessie, l'âge, la mémoire. Ben oui, oui. Je trouve que l'arrestation est une arrestation parfaite. J'ai beau regarder tout, photo compte, toutes les balles. C'est le recul, hein, c'est comme ça tes armes. Il y a vraiment pas une balle qui touche à Abneau, quoi, c'est vraiment tout dedans. Il a essayé, c'est l'importance. N'est-ce pas, Rick, tu as essayé? Oui. Vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le, Chawar. Et bon, vous voyez des arrestations comme ça, malheureusement pas entamer des procédures, Riz. Quoi? Vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le, tu vas voir. Tu vois si je t'allume pas ta grand-mère. Vas-y. C'est bon, arrêtez. Coupez les images. Non, laissez-la. Non, c'est insoutenable. T'as soutenu pour vous. Arrêtez, c'est bon. On a compris. On a compris. Tu vois si je t'allume pas ta grand-mère. Je suis en train de cette voix dans ma tête. Regardez. T'es là. Vous voyez? Tu prends du plaisir derrière? Bah non, justement. Vas-y, fais-le, là. Après, je l'ai prévenu, mon commandant. Hein. Je dis, c'est insoutenable, retirer ça. Oh, il a su que l'on était abattu. Là. C'est là, ce moment-là. Quoi? Et là, l'adrénaline est redescendue. Le pic. Ça monte. Allez, encore un temps. Là, c'est le pic. Et là, ça redescend. Là. Voilà. Après, je crie, voilà. Et là, je réalise. Je vais enlever. Vas-y, fais l'autre chavoir. Une dernière. Ah, ça monte. Ah. Mais vous... Commandant. J'entends encore la voix. Oui, tu as tué des gens, ça doit être dans ta tête encore. Tu vas vivre avec ça toute ta vie. Je m'entends encore? Oui, tu deviens fou, oui. On a l'habitude. Commandant. Oui, monsieur le gouverneur. On va faire profil bas, hein, cette fois-ci. Ah, on va les laisser repartir et aucune procédure... Va falloir surtout qu'il fasse un choix, la Riz. Oui. Pourquoi je suis dans la merde? Je suis dans une maison. Et il y a la journaliste Erin là, la Kimchi. Oui, c'est qui? Kimchi, à qui vous avez dit montre-moi tes bleus que vous avez dragué tout à l'heure au mariage. Oh putain. Ok. Mais quel choix? Mais il peut pas faire ça au gouvernement et derrière prendre son service comme si de rien n'était. Il y a bien un moment ou un autre où ça va vriller. On est deux, Riz. On est deux. Enfin, je sais pas, tu as le chemin du commandant et tu as le chemin. Oh non, mais faites pas ça. S'il vous plaît, ne me faites pas ça. Les autres reculés, hein. Laissez que moi le commandant. Non, mais vous pouvez pas me donner une réponse maintenant. Si maintenant tu devais nous donner une réponse, peut-être c'est pas le cas, peut-être nous allons te donner quelques jours pour réfléchir. Tu as deux chemins dans ta vie. Il est temps. Moi et le commandant, nous avons décidé qu'il fallait que tu fasses un choix un jour. Peut-être pas maintenant, peut-être maintenant, je ne sais pas. Et si tu devais donner une réponse tout de suite, ça serait quoi?
Non mais ma réponse va forcément en décevoir l'un ou l'autre. Je peux pas vous répondre. Regarde-nous chacun dans les yeux. Écoutez, je vous aime tous les deux et j'aime beaucoup travailler pour vous, tous les deux, de la même manière. Donc je pense que je ne choisirai pas et je finirai par être MS. En fait, moi j'ai toujours dit. Ça ne dérange pas que les agents toujours. Des forces de l'ordre travaillent avec le gouvernement parce qu'on fait ça pour notre pays. Et every day. Je vous le dis. Il n'y a pas de problème là-dessus, ok. Mais ce genre de choses, et ça tu le sais, il y a un jour où tu vas faire une erreur. Même si tu peux te dire j'ai tout perdu, il y a un jour où tu feras une erreur, Riz. Oui, tu feras une erreur un jour. Une erreur un jour qui gâchera la vie d'un des deux hommes que tu as devant toi. Donc, un choix. La vie est faite de choix, Riz. Au commandant. Ou un frère. Pas un de ta fille. Celui qui t'a aidé à enterrer ta femme. Qui t'a aidé à traquer ses meurtriers. Ou peut-être un commandant qui t'a tout appris durant sa longue carrière. Non, c'est moi qui lui ai appris. Qui te protégera quoi qu'il arrive. Du mal qui peut se passer autour. Te permettre de pas sombrer, Riz. Alors que moi je t'ouvre la porte. Porte à des idées sombres. La porte du chaos. C'est oui, le, oh, c'est le bien contre le mal. Et devant toi le côté sombre et le côté de la lumière. Je ne peux pas répondre maintenant. Je pense que je n'y répondrai jamais à cette question, je vous l'assure. Oui, mais tu ne devras plus travailler pour un ni pour l'autre, tu resteras seul. Alors que là, tu peux être avec quelqu'un. Vous m'avez mis à pied, mon commandant. Oui, parce qu'on a des procédures, on a une hiérarchie à respecter. Mais pas en opération gouvernementale. Et parfois la vie est faite de choix. Je suis toujours mis à pied, mon commandant. Ben non. Je peux te montrer le chemin de la lumière. Ou au contraire, je peux te montrer le chemin de la destruction. Tu te souviens ce que tu disais? Ah, lui m'a abandonné, lui m'a abandonné. Ah, lui m'a abandonné, lui il est mort. Lui il est parti. T'aimerais refaire ce genre de choses, toi? Tu te souviens quand tu me disais, hein, ils ont tué ma femme, ils l'ont poussé à bout. Ils nous manquassent, c'est limite. On a le pouvoir d'aller beaucoup plus loin. Ils t'ont détruit, ces gens-là. Ces gens-là que tu emmènes en prison, qui vivent une... Oui, en prison, ils ont des PlayStation, ils fument du shit. Et c'est nous qui payons. Pourquoi leur offrir un avenir en prison alors que nos familles sont dans des tombes, Riz? Souviens-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure dans la voiture. Quelqu'un n'a rien à perdre. Généralement, c'est comme un chien. Oui, je me rappelle, mon commandant. C'est pour ça. Eux, ils te prennent pour un chien. Alors que moi, je te prends pour un loup, un mâle alpha, un prédateur. Tu vas être le chien de service de la police ou tu vas être le prédateur? Je pense que je vais aller dormir. Et parfois la nuit porte conseil. Et prendre une douche. Oui. Je peux disposer? Je vous ai posé une question. Bah pour moi c'est bon, monsieur le gouverneur. Ce que tu sais donc faire, abandonner les gens finalement. Non mais non, mais pas du tout. Peut-être que Priya avait raison. Tu crois que la police va te protéger? Va protéger Tupou? Ah oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Être en prison ceux qui auront peut-être tué. Alors que...
mettra en tombe ceux qui essaieront. Moi, je pense que ton image a bien été salie et je pense qu'il est temps de la nettoyer et de repartir sur de bonnes bases. Et si tu veux repartir sur de bonnes bases et un jour être l'élite du SASP, de pouvoir montrer aux gens que Riz Chrono, il a peut-être fait des erreurs, mais dans la vie, il va se relever et montrer aux gens qu'on peut aller loin. Putain, je suis d'accord avec les deux. Ses propres gens, ils montent des dossiers contre toi, Riz. Arrête. Tu sais, toi, comme moi, que il n'y a plus rien à laver. On n'est que de tristesse et de haine. On se nourrit de cette haine pour combattre les personnes en face. Eh oui. Et quand Anderson voulait te livrer au FARC, qu'est-ce qui t'a dit de courir, Riz? C'est vous, mon commandant. Qui sont les personnes qui t'aident à éliminer les cafards? Écoutez, trop phare. Écoutez, on... Qu'est-ce qui nous oblige à prendre un choix? Rien. Je peux très bien être keuf et lever le pied sur, pendant les opérations, et voilà. Ah oui, tu dis quoi à tes collègues si demain, t'es appelé en urgence, ce qui peut arriver, tu vois? Ah ouais, bah tu dis quoi aux autres agents qui travaillent avec moi, hein? Un coup t'es là, un coup t'es pas là. On est des bouche-trous. Non mais ça n'a rien à voir, mais vous, on a toujours fonctionné comme ça, vous me réquisitionnez, et voilà, je peux pas passer ma vie à attendre que vous me donniez une mission, j'ai besoin d'être indépendant. Indépendant, c'est ce que je t'offre. Adorer le blason, adorer ton image. Commandant, il pense qu'on va sauver la ville avec des images. Alors que nous, on sauve la ville. Avec notre justice, Raze. Notre justice. Je la connais si bien. C'est bien ça le problème. Bon, je vous laisse. Merci. Merci, oui, merci, oui. À vous deux. Et tu nous laisses, oui. Est-ce que Karim aurait voulu ça, hein? Est-ce que peut-être ton commandant t'a peut-être pas livré à Karim? Enfin, n'a peut-être pas livré Karim. L'ancien commandant, oui, il l'a fait. L'ancien commandant. Moi, je mais c'est des forces de l'ordre. Non. Alors que moi, j'aurais écrasé toutes les personnes qui auraient essayé. Non, 07 n'aurait jamais fait ça. Ah, c'est pas 07, c'est les forces de l'ordre. Ils... tu veux une vie sans non, limite. Non. C'est nous. La famille. Je vais dormir. Désolé si j'ai déçu quelqu'un. Non, tu n'as déçu personne, on te laisse 2 jours pour y répondre. Hein, commandant? Oui. Salut, 113. Et frère, c'est impossible, c'est des putes. C'est des putes. C'est trop des putes, frère. Parce qu'en fait, regardez. Le gouv, c'est un bon mais c'est une salope. Mais en fait le gouv c'est vraiment un bon, mais ça peut vraiment être une salope. Alors que 07, c'est genre c'est un peu moins un bon, mais tout le temps. Et c'est jamais une salope. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros le gouv il peut avoir un gros impact positif sur Riz, mais il peut avoir un gros impact négatif sur Riz. Ah, il faut que je rentre chez moi. Alors que le gouv, il aura toujours un bon petit impact positif sur... le 07, pardon, le commandant. Alors que le commandant, il aura toujours un bon petit impact positif sur Riz. Ça, c'est une masterclass qui m'ont pondu les deux. Hein. En vrai. Je pense que le moment où j'aurais pris une décision, je vous la dirai pas.
En fait, le gouffre, c'est des risques. Mais en même temps, j'ai peur de me faire chier avec le gouffre, voilà. Déjà, il y a ça, tu vois. J'ai peur de me faire chier avec le gouffre. Parce que Riz, il lui faut de l'action. Et en vrai, le gouffre, vas-y, frère. Je peux pas aller chercher moi-même l'action. Je vais dépendre du gouverneur. Le gouverneur, il va me dire, ouais. Ben vas-y, là en ce moment, on bosse pour retruquer les phares. Que vas-y. Mais c'est pas mes affaires à moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mes trames à moi. Je sais pas comment dire. Mais par contre, quand tu auras des trames, ça va être trop bien. En cas, je peux aller faire mes propres guerres, entre guillemets, tu vois. En fait, c'est bien, frère, c'est... Vas-y, je suis deck, parce que t'es trop bien, je suis keuf. Je suis ma petite routine de keuf et tout. Et de temps en temps, il y a des trames gouffes qui proc. Tu vois? Mais les moments où il n'y a pas ces trames gouffes... On va se faire chier, frère. Ah ouais, lourd, les guerres contre les 6 blocs. Bah oui, c'est bien, les guerres contre les 6 blocs. Attendez, mais vous croyez que les trames gouffes, c'est H24 guerre contre les phares, que je vais dans leur île et il y a des gunfights tous les jours? C'est pas ça, hein. Là, c'est parce que... Là, on prend que le bon. Frérot, genre, pendant 3 semaines, je vais rester au gouvernement, je vais surveiller le gouverneur. Soyez pas bêtes, s'il vous plaît. Les Okaïars commencent pas à être cons. Parce que j'entends vos arguments, mais il y en a qui sont pas bons. De toute façon, il faut que je pense RP. Faut que je pense RP en vrai, là, pas HRP. Mais bon, en même temps, ça rentre aussi, le HRP, tu vois, quand même. Qu'est-ce qui est le mieux pour le perso aussi? Je peux pas être plus cher H24, mais bien sûr que non, frère. Et puis quoi encore? Parce que si jamais c'est pour ça que vous êtes FC Gouv, parce que vous pensez que je vais être H24 Punisher, vous vous trompez, hein. J'espère que vous prenez en compte ça, le FC Gouv, hein. J'avais pas dit si j'étais pas suivi. CSP veut H24 te baiser, pitié. Mais le Gouv aussi, frère, hein. Frère, le Gouv aussi, il m'a fait des coups de Trafalgar, hein. Frère, le Gouv aussi, frère, des fois il me fait des coups de pute, en fait. Vous avez une mémoire sélective, les mecs. Parce que oui, si jamais c'était que entre le Gouv et 07, je pense que j'aurais choisi 07. Je pense que 07 c'est une meilleure personne que le gouverneur. Mais là c'est le SASP ou le Gouv. Mais je pense que le Gouv c'est plus des bons que le SASP, tu vois, par rapport à Riz. Ah bah super. Putain. Mais... Oui. Allô ? Oui. 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 Mais moi, je dorme, là. Mais vous m'avez reproché hier d'être parti dormir à 3h. Ouais, mais là, il est 2h20. Bah oui. Bah, demain, sans faute. Nick the Beast, sans faute, demain. Quoi qu'il arrive. Quelle heure ? Je sais pas. Bah voilà. Tard. Bon, bah... Tard, genre... 23h minuit. Il y a les playoffs avant. Il y a les playoffs. 18h, rendez-vous à 18h, les mecs. Ok, allez, ben à demain.
Oui, oui, à demain. Je vais te raccrocher, mon téléphone est cassé. Ah ah, t'es bloqué avec moi. Bah oui, mais tu dois partir dormir. Alors, faites quoi de beau dans la vie, vous, à part être proc, hein? Bah, en ce moment, rien. Vous voyez des mecs et tout? Bah, pourquoi faire? Bah, je sais pas, comme ça. Bah, non. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Vous avez pas le temps de voir des mecs? Bah, non. Ouais, pareil. En vrai, je vous dis ça, mais pareil. Bah oui. Mais puis bon, je prépare votre procès. Ça me prend beaucoup de temps. Vous êtes une vraie bosseuse, quoi. Ça bosse. Oui, bah j'essaye, hein. J'essaye. Vous avez vraiment jeté quelqu'un dans toi, monsieur Chronos? Non, je l'ai pas fait. Ok. Je l'ai d'accord, pas fait, bah, si jamais ça peut vous rassurer. Bah, bon, ça, c'est pas moi, vous savez, c'est pas moi le SD, donc c'est... Non. En gros, il était sur le bord, je lui ai couru dessus. Parce que j'étais en train de le poursuivre, en fait. Et il a sauté. Ok. Voilà. Ok, bah, on en parle demain, d'accord? Super. Bon, mais voilà. Bah, oui, faut toujours que vous raccrochiez, monsieur Chronos. Vous êtes fumeuse? Oh non, ne mangez pas dans les oreilles, par pitié. Non, je bois. Ah, ok, ça va. Non, je ne suis pas fumeuse. Oh. Vous connaissez Air Up? Oui, je trouve que c'est vraiment de la... C'est une arnaque, pas possible. Pourquoi vous pensez ça? Mais parce que c'est pour les enfants qui arrivent pas à boire de l'eau, ça, c'est tout. Mais vous avez déjà essayé? Mais pourquoi faire? Moi, j'adore l'eau. Mais pourquoi vous dites que c'est une arnaque si vous avez pas essayé? Mais non, mais parce que ça sert à rien, c'est cher pour rien. Mais attendez. Pourquoi vous pouvez pas dire ça? Bah si. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, moi, j'ai du mal à boire de l'eau. Du coup, ben, c'est cool. Oui, bah oui, pour les gens qui ont du mal à boire de l'eau, peut-être, oui. Mais du coup, c'est pas une arnaque, parce que arnaque, c'est dur le mot arnaque. Bah, c'est une fraude exagérée. Je sais pas, moi. Je sais pas. Je bois de l'eau, moi. Bois de l'eau, pétasse, quoi. Ou pas. Vous inquiétez pas, Air Up, moi je suis votre dos. Non, elle m'aurait dit j'ai goûté. Elle avait pas goûté. Bref, je disais quoi? Je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, c'est une masterclass. Franchement, c'est une masterclass, mais vas-y, frère, c'est chiant. Vas-y, c'est chiant, frère, quand même. Tu vas aller sur Valo ou tu vas que... Non, je vais aller sur Valo. Je vais aller sur Valo, attends, je vais kick Mister Leeway parce que hier il a fait miskin dans mon chat en mode... Sérieux, putain. On va discuter. Il m'a fait trop peur. Oh, putain. Casse les couilles. Allez, Choupété, va faire des parties perso, Choupété. Ça va, Choupété? Je t'ai cherché ce soir, hein. Pourquoi t'as pas gardé ton masque à l'hôpital, connard? Pourquoi j'ai pas gardé mon masque à l'hôpital? Bah ouais, derrière l'ancien hôpital. Derrière l'ancien hôpital? Si, tu étais pas derrière l'ancien hôpital. Si, j'ai gardé mon masque. Ah ouais? Bah oui. De loin, tu avais pas de masque? Non. Si. Ah, je l'avais. C'est pas grave. Je l'avais de A à Z, je l'ai jamais enlevé. Non, mais c'est pas grave, j'ai pas réussi à te prendre en photo, de toute façon, on s'en fout. Ok, masterclass. De toute façon, regarde, c'est tu moi. Tu veux faire quoi là? C'est moi, j'ai tué Blazik, j'ai tué Sabia, t'es le prochain sur la liste, c'est bon? Bah non. Mais moi, répète ton perso, comme ça, on reprend Bernard Pichon. Père! tu veux reprendre les Pichons? Père! Les Pichons, saison 2, j'ai combien de doigts là? T'en as 2. Si. Parce que c'est la saison? Dos! Père! Attends, je me réhabitue. Père! Eh, tu sais que je vais devoir... Pourquoi t'as encore ton accent? Bah parce qu'on est en RP. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Donc, il va devoir faire un effort, conduire à la Bernard, tu sais. Ah, faire genre que tu sais pas conduire alors que tu sais conduire. Ouais. Ah oui, parce... Non, mais je vais devoir oublier tout le upgrade que j'ai pris pour conduire à la Bernard. Mais bien sûr, parce que tu sais conduire, toi. Merci, oh, Michonnet. Pourquoi? Allez, viens. Mais pas aussi bien que toi, tu es le meilleur, tu le sais. Allez, on y va, mon chaton. On va où? On va où? Merci, mon ref.
Samia, Samia elle est encore là ou elle est encore à l'hôpital celle-là? Je crois que j'ai... Non si j'ai tiré sur Samia. Non, non, Riz, s'il te plaît, je suis en scène sérieuse là, à cause de toi, connard. Ah, ok. Et je dors tôt ce soir. Désolé. Aïe. Fender de merde, tu m'as mis mais 45 pourquoi... balles. Bah oui, mais pourquoi tu l'offres? J'ai pas un offir. Normalement, je devrais te banner te mort RP là. Aïe. Comment ça? Normalement, je dois te mort RP en gros. J'ai pas vu que tu braquais ton arme. Mais t'as pas vu? Bah elle a pas vu. Tes viewers qui ont dit ouais, j'ai le Tommy. Je m'en bats les couilles des viewers, j'en ai pas. Attends, je vais leur parler, hein, les viewers qui disent j'ai le Tommy, les win RP, hein. Hein je leur ai dit, c'est nous les trous de balles. J'ai le Tommy, s'il veut, elle est mort RP là, leur personnage préféré, Loka. Loka, hop, elle prend sa mort RP parce que Loka elle a nos fears. Et quand tu nos fears et que tu te fais tirer dessus, eh ben normalement tu prends ta mort RP. Y'a pas nos fears, je t'ai pas vu avec ton arme. Oui, tu m'as pas vu. Je pensais pas que t'allais tirer. Bah oui, voilà, tu pensais pas ou tu m'as pas vu avec mon arme, dis la vérité. Tu vas voir ma POV, je te jure, j'ai pas vu avec ton arme. Ok. Je t'enverrai le clip si tu veux. Mais les viewers, je leur ai dit que c'était nous, on a fait les trous de balles, c'est pas toi, c'est nous. Allez, va faire ta scène sérieuse. Merci. De rien.